Bonjour. Je referme le micro. On peut commencer. Et voilà, bonsoir à tous. Voilà, merci d'avoir répondu présent. Vous êtes très très nombreux. C'est impressionnant. Il y avait plus ou moins 600 inscriptions, sans mettre de pression à Patrick, bien sûr. Et donc, on peut dire que la dysproprioception, c'est un sujet qui intéresse, voire qui passionne. C'est mon cas. Et donc, voilà, nous allons profiter de toutes les connaissances hein, du professeur Kersia ce soir. Vous m'avez envoyé pour la plupart des questions à l'avance. Donc, mon rôle ce soir, c'est voilà, de faire un petit peu ce travail journalistique de modérer. Donc, je vais présenter vos questions que j'ai organisées de façon logique. Et donc, on va d'abord proposer à Patrick Kersia de voilà, se présenter brièvement pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et voilà, de commencer son exposé qui devrait durer environ une demi-heure. C'est ce qu'on avait plus ou moins Oui, prévu. c'est ça. C'est ça, Voilà. oui. Et puis ensuite, on passera à vos questions. Et voilà, j'essaierai d'en oublier aucune. Donc, je vous demande pour plus de confort de garder bien votre micro coupé. C'est ce que je vais faire moi-même. Quand je n'interviens pas, je coupe mon micro. Par contre, c'est agréable de voir votre petite tête. C'est plus vivant, sinon on parle à un ordinateur. Donc, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, eh bien, vous pouvez aussi réagir. Donc, moi, je vais essayer de gérer aussi l'aspect technique, à la fois ici dans cette salle Zoom, mais aussi sur ma page pro Facebook. Voilà. Eh bien, professeur Kersia, pouvez-vous vous présenter? Oui, alors très rapidement. Alors déjà, merci pour l'invitation. Charlotte, on se connaît bien. Donc, je suis tout à fait content de participer à cette réunion. Je voudrais juste vérifier, normalement, je dois pouvoir passer un PowerPoint, vérifier, mais après m'être présenté, que ça fonctionne. Je suis ophtalmologiste. Je m'intéresse au traitement proprioceptif depuis 20 ans maintenant, quasiment 20 ans, 19 ans. Et donc, ce traitement a changé la vie de mon fils déjà, puisque j'ai un fils dyslexique. Et puis, il a changé ma vie d'ophtalmo, puisque j'ai quitté progressivement l'ophtalmologie classique pour m'intéresser d'une manière exclusive au traitement proprioceptif chez les dyslexiques, les dyspraxiques, enfin les dys en général. Et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer une équipe à l'INSERM et donc de pouvoir lancer un certain nombre de protocoles dont je vais vous parler brièvement et en essayant de laisser beaucoup de place aux questions. Donc, je vais essayer de passer mon PowerPoint. Donc, normalement, vous me dites si vous le voyez bien. Est-ce que ça marche là? Ça marche. Ça marche très bien. Là, vous le voyez, hein, c'est bon? Oui. Voilà, donc on va parler essentiellement du traitement proprioceptif dans la dyslexie et la dyspraxie. Alors, je crois qu'on ne peut pas parler de traitement proprioceptif sans d'abord citer l'équipe qui est vraiment à l'origine de tout cela. C'est une équipe portugaise, donc Martins da Cunha, qui était un médecin de réadaptation fonctionnelle, et puis Orlando Alves da Silva, qui est un ophtalmo. Le premier est décédé et le deuxième est toujours bien vivant. Pour la petite histoire, Martins da Cunha s'occupait essentiellement des scolioses et il avait montré que, en fait, les enfants qui présentent ce qu'on appelle maintenant des attitudes scoliotiques, ce qui est différent de la scoliose, ne présentaient en fait pas seulement des problèmes de posture, mais aussi d'autres problèmes. On y reviendra, mais parmi ces problèmes, il avait cité le premier, la dyslexie. Et puis, c'était dans les années 70, 70-80, et en fait, c'est complètement tombé dans les oubliettes, et on n'en reparle que maintenant. Alors, avant de parler du traitement proprioceptif, vous m'entendez bien, je pense, c'est bon? Oui. Avant de J'entends, parler du et on entend très très bien. Petite anecdote, monsieur oui. Orlando da Silva nous écoute et donc nous fait un Orlando. coucou. Alors, bonjour Orlando, bonjour Orlando. Voilà. Oui, lui, c'est un fan des réseaux sociaux, contrairement à moi.
Mais voilà. Vous voulez, avant de parler du traitement proprioceptif, je vais faire très attention, pas dire de bêtises. Si le boss est là, je fais attention. Donc, avant de parler du traitement proprioceptif, il faut parler de la proprioception parce que c'est un sens qui n'est pas très bien connu. En fait, si vous voulez, ce sens a été décrit en premier au début du XXe siècle, donc c'est relativement récent. Et ce sens est organisé, comme tous les sens, avec des capteurs, des voies de conduction et un traitement des données au niveau cérébral. Alors, les capteurs, il y en a plusieurs. Je vais être très, très simple pour dire simplement que ceux qui sont le plus étudiés, le plus connus, sont ce qu'on appelle les fuseaux neuromusculaires. Vous l'avez ici en un dessin avec les fibres nerveuses qui en sortent. Et puis, il y a aussi des capteurs qui sont sur les tendons. Mais en fait, il y a des capteurs aussi articulaires. Enfin, c'est tout un ensemble de capteurs qu'on trouve dans les muscles, dans les articulations, dans les tendons. On note d'emblée deux choses qui sont importantes. D'abord, il existe une relation très étroite entre ce qu'on appelle le collagène, les fibres de collagène, et ces capteurs, à deux niveaux. D'abord, dans la constitution elle-même des capteurs, et aussi dans la localisation dans les muscles. Ces capteurs sont plus denses près des parois fibreuses, des parois de collagène, qui séparent les faisceaux musculaires. Et ça a une incidence dans certaines maladies du collagène, comme le syndrome des nerfs dans l'os, par exemple. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que ces fuseaux neuromusculaires, puisqu'on parle d'eux, ont une double innervation. C'est-à-dire qu'il existe à l'intérieur un système neurologique et musculaire qui permet de tendre plus ou moins, par un effort de volonté par exemple, ces petits capteurs. C'est-à-dire que, à ma connaissance, c'est le seul sens dont on peut diminuer ou augmenter le seuil de sensibilité. Alors, on a tendance à dire que c'est le sixième sens. En fait, il est probable, ça serait beaucoup mieux de dire que c'est le sens premier, puisque tous les autres sens ont besoin de la proprioception pour se développer. On y reviendra. Alors, la première chose à savoir dans la caractéristique clinique, et pour bien comprendre le traitement proprioceptif, c'est qu'il existe une densité différente des capteurs, il existe une hiérarchie. Par exemple, vous avez beaucoup de capteurs au niveau des muscles oculaires. En gros, vous avez beaucoup de capteurs chaque fois que vous avez besoin de faire des mouvements qui soient fins et précis, par exemple dans les doigts. Mais il y a aussi une hiérarchie inversée, c'est-à-dire qu'il y a des zones où il y a très peu de capteurs, par exemple le pharynx, on en parlera, dans les muscles dilatateurs du pharynx, on a trouvé très peu de capteurs proprioceptifs. Et c'est intéressant de le noter parce que quand vous avez peu de capteurs, s'ils ne fonctionnent pas normalement, tout de suite il y a des conséquences importantes. Ça, c'est le premier élément à connaître. Qui dit hiérarchie va dire hiérarchie dans le traitement. La deuxième chose à connaître, c'est que la proprioception existe partout où il y a des muscles. Et donc, vous en avez dans tout l'organisme, et on considère qu'aujourd'hui, c'est une des représentations, que la proprioception est en quelque sorte le chef d'orchestre du système musculaire et de tous les organes des sens qui ont une relation avec le système musculaire. Par exemple, l'œil, avec ses muscles, eh bien, la fonction rétinienne va dépendre de la proprioception oculaire. On y reviendra. Alors, on a tendance aujourd'hui, mais il faut dépasser cette notion, à considérer que la proprioception, c'est essentiellement dans le système postural. Alors, c'est très restrictif. J'espère qu'Orlando ne va pas trop râler pour me contrarier, mais c'est une notion qui est restrictive. C'est évidemment comme ça que ça a été conçu au départ, la proprioception, les chefs d'orchestre du système qui règle la posture. Mais si on se contente de parler de posture, on a ensuite un problème de langage, des limitations, si vous voulez, de compréhension. À quoi sert donc la proprioception? Eh bien, on a le triangle de la proprioception, c'est comme ça qu'on le présente toujours. Le triangle avec trois angles. La première chose, si vous voulez, c'est le rôle de la proprioception dans la régulation du tonus musculaire. Alors, j'ai bien dit le tonus musculaire, je n'ai pas utilisé le mot posture, parce que la posture, c'est plus complexe que le tonus musculaire. Et surtout, ça a une conséquence, c'est-à-dire que l'observation de la posture, quand on veut évaluer la proprioception, est importante, mais c'est surtout l'évaluation du tonus musculaire.
et on a un ensemble de tests pour cela. Alors ça a été étudié par Gagé, enfin il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé là-dessus, j'ai simplement mis certains noms, mais bon, c'est toujours très restrictif. La deuxième chose qui est très importante, c'est que lorsque vous recevez des informations sensorielles, alors on va prendre par exemple la vision, mais on pourrait prendre aussi la peau, on pourrait prendre aussi l'audition par exemple, eh bien il faut que votre cerveau soit capable de localiser l'organe des sens qui capte les informations. Or, tous les organes des sens sont intimement liés à la fonction musculaire. C'est évident que l'orientation de la tête va modifier la perception de l'audition. Mais de la même façon, l'orientation du regard va changer, si vous voulez, la manière dont vous allez percevoir l'espace qui est autour de vous. Ça a une conséquence importante, c'est qu'on va étudier la localisation spatiale des informations sensorielles. Et le plus facile aujourd'hui, c'est l'information visuelle, mais on l'a fait aussi en audition, pour évaluer la proprioception. Et puis, le troisième rôle, qui est certainement pour moi, en tout cas, le plus important dans les troubles d'apprentissage, puisqu'on parle des troubles d'apprentissage, c'est l'intégration des informations multisensorielles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que votre cerveau est toujours en train de faire des choix pour recevoir une multitude d'informations sensorielles, cutanées, visuelles, auditives, etc., proprioceptives, et vous devez... C'est pour vivre normalement, pour être adapté à la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous devez en permanence faire un choix. Vous devez prédire les informations utiles et vous devez sélectionner les informations utiles. Et la proprioception joue un rôle central dans la sélection des informations. On dit qu'elle est en quelque sorte la clé de voûte de la relation entre la perception et l'action. Et notre formation à l'université n'utilise pas le mot posture à cause de ça. Mais bien s'appelle perception, action et troubles des apprentissages, parce que c'est bien à ce niveau que se situe essentiellement le problème. Donc voilà les trois rôles essentiels. Alors quelquefois, la proprioception, pour une raison dont on va parler probablement, mais je laisserai les questions arriver là-dessus, eh bien la proprioception peut fonctionner d'une manière anormale. Et là, vous allez avoir toutes les grades de dysfonction, depuis une dysfonction légère, compensée, jusqu'à une dysfonction absolument pas compensée. Et j'insiste bien sur le fait que j'ai utilisé le mot dysfonction et non pas pathologie ou maladie. On est là dans du fonctionnel, on a un sens qui tout d'un coup ne fonctionne pas bien pour des raisons diverses. Et donc, puisque vous avez bien compris que la proprioception joue un rôle dans trois fonctions, eh bien, nous allons avoir des anomalies dans les trois fonctions. Le tonus musculaire va être asymétrique. C'est la fameuse attitude scoliotique qui a été décrite. On va avoir des troubles de localisation spatiale des informations sensorielles, mais la caractéristique essentielle, c'est ce qu'on appelle la labilité. Ça a été bien mis en évidence par un kinésithérapeute de Dijon, Éric Matron, qui a montré que lorsqu'il existe un problème proprioceptif, eh bien, vous allez localiser dans l'espace, par exemple, les informations visuelles d'une manière différente selon que vous allez agir sur un capteur qui coordonne les choses avec la proprioception. Par exemple, vous allez voir avec l'œil droit, au-dessus de ce que vous voyez avec l'œil gauche, dès lors qu'on manipule la proprioception. Mais si on vous met les pieds posés, vous allez voir, par exemple, plus bas. Donc, ça crée, si vous voulez, un trouble dans la prédiction de toutes les informations cérébrales. Le cerveau ne peut pas fonctionner si la localisation des informations sensorielles est constamment variante en fonction de ce que vous faites. Il a besoin d'une stabilité. Et puis enfin, vous allez avoir des troubles dans l'intégration multisensorielle, alors qu'ils sont très particuliers. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que lorsque vous allez stimuler un sens, alors on le fait, vous verrez, j'essaierai de vous passer un petit film, avec l'audition, mais par exemple, on peut le faire aussi directement avec la proprioception en utilisant des vibrateurs, ou directement avec la peau, par exemple. Eh bien, le sujet, à partir du moment où vous avez manipulé sa proprioception oculaire, va décrire des manques dans la vision. Ces manques dans la vision sont probablement l'élément le plus péjoratif, en particulier dans la dyslexie, puisque, in fine, apprendre à lire, c'est faire correspondre un son et une image. Alors, la première question qui se pose, c'est est-ce que les dyslexiques, puisqu'on l'affirme,
ont réellement une fonction proprioceptive. Eh bien, vous voyez, on a commencé nos travaux de recherche dans le labo en 2005, et il aura fallu 16 ans pour arriver à prouver d'une manière scientifique, et c'est grâce au travail d'une ergothérapeute qui fait une thèse, qui a fait le DU d'ailleurs, perception, action, troubles d'apprentissage, un travail fondamental où elle a mesuré ce qu'on appelle l'acuité proprioceptive, donc en fait la perception du mouvement par le sujet, alors que tous les autres sens sont supprimés. Elle a montré, si vous voulez, qu'en effet, tous les dyslexiques ont bien une dysfonction proprioceptive. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a montré aussi qu'il existe une corrélation entre le trouble d'acuité proprioceptive et le niveau de déficit de lecture chez le dyslexique, notamment en phonologie. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dire, on peut affirmer que la démonstration clinique qui a été faite au Portugal a aujourd'hui bien un support scientifique qui est indiscutable. Et juste pour l'anecdote, je vous dirais que ça a été publié dans la revue Scientific Reports, qui est la revue en accès gratuite du groupe Nature. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Je peux vous dire que le filtre a été quand même très important et que c'est quelque chose de valeur. Donc, vous pouvez le trouver à partir de PubMed. Je pense que Corinne Grand-Vincent pourra vous donner toutes les références à partir de son association. Alors, revenons maintenant à la clinique. Simplement pour dire qu'on a travaillé depuis 2005 sur les trois angles du triangle. La question, est-ce que les dyslexiques ont une asymétrie du tonus? La réponse est clairement oui. Et là, je vous assure, on n'est pas la seule équipe qui travaille là-dessus. Il y a maintenant, si vous tapez sur PubMed, posture, proprioception, dyslexie, il y a maintenant une quarantaine de publications qui montrent qu'il y a bien un trouble postural chez les dyslexiques. Alors, on trouve toujours évidemment des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord, mais la grande majorité des gens maintenant, des chercheurs, sont d'accord pour dire que les dyslexiques ont bien un trouble postural. Maintenant, est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Ça, c'est une autre affaire. Est-ce que les dyslexiques ont un trouble de localisation spatiale? Eh bien, nous avons publié une étude, deux études exactement, qui montrent qu'en effet, les dyslexiques ne voient pas, ne perçoivent pas l'espace comme les autres, en particulier l'œil droit par rapport à l'œil gauche. Et ce que je dis là pour les dyslexiques est vrai aussi pour les dyspraxiques, de la même façon que pour le problème postural. Enfin, est-ce qu'il existe ce qu'on appelle donc des pseudoscotomes, ces trous visuels dans la vision, lorsque les enfants dyslexiques ou praxiques reçoivent d'autres informations? Eh bien, nous l'avons publié il y a relativement peu de temps, puisque c'était l'année dernière, après avoir fait plusieurs études sur ce qu'on appelle les négligences, où on a pu montrer que les dyslexiques ont en effet une perception de l'espace qui est différente. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ce dont je vais vous parler en clinique, il y a quand même un substratum derrière au niveau de la recherche et que ce n'est pas un simple délire de clinicien un peu fou, c'est quelque chose de solide. Alors, si on reprend le triangle de la dysproprioception, tout ce qu'on va dire maintenant est organisé autour de ça. L'examen clinique, la thérapeutique, l'évaluation de la thérapeutique consiste à évaluer les éléments en rouge pour les faire passer en vert. Si on ne s'intéresse qu'au sommet du triangle, au problème postural, c'est ce qu'on appelle le syndrome de déficience posturale, c'est-à-dire on est dans quelque chose de plus mécanique. Alors, les Portugais d'emblée ont bien dit que dans la déficience posturale, dans le SDP, il existait d'autres signes. Ça a été mis dans la description Princeps, mais j'insiste toujours pour dire qu'en France, il y a une espèce de compétition, si vous voulez, entre les deux écoles, compétition cordiale. Hein. En France, la posture, c'est de la posturologie. Ce que l'on fait, c'est au-delà de la posturologie. On ne doit pas s'occuper que de la posture. En clair, un praticien qui ne s'intéresse qu'à la posture, eh bien, ne peut régler probablement que le sommet du triangle. Pour gérer la dysproprioception, il ne faut pas s'occuper que de la posture et du tonus. Il faut s'occuper des deux autres angle. Et donc, aujourd'hui, on a tendance maintenant à reprendre le sigle SDP pour parler de syndrome de dysfonction proprioceptive, où vous avez à la fois une asymétrie du tonus
des troubles de localisation spatiale et puis des trous dans la vision lorsque vous recevez d'autres informations. Au départ, je vous ai parlé de la hiérarchie. Il existe bien une hiérarchie et cette hiérarchie s'exprime d'une manière assez dramatique chez les 10 au niveau de la zone oropharyngée. On en parlera. Dans cette zone, si vous voulez, quand la proprioception ne fonctionne pas bien, lorsque la perception ne fonctionne pas bien, cela va avoir des conséquences énormes au niveau clinique, non seulement morphologique, orthodontique, mais surtout au niveau respiratoire. Le diagnostic. Alors, le diagnostic est très intéressant et en même temps très pénalisant. Très intéressant parce qu'il s'agit d'un diagnostic clinique. On a besoin de nos yeux, de nos mains, de notre cerveau et de temps. Il n'y a pas besoin de technologie derrière. Alors, c'est très intéressant, mais c'est pénalisant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, si vous n'avez pas une technologie derrière le traitement d'une pathologie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent gagné pour les industriels. Et c'est vraiment un problème que nous avons, puisque tout ce que nous avons pu faire, nous l'avons fait sans sponsor. Et le fait qu'il y ait besoin de beaucoup de temps, évidemment, pose un problème au niveau des thérapeutes. Comment commence le diagnostic ? Le diagnostic commence par l'interrogatoire. Alors là, je vais parler uniquement de la dyslexie. Je vais faire un peu de peine à Corinne. Mais si vous voulez, encore une fois, dyslexie, dyspraxie, ce ne sont que deux facettes du même problème. Chez le dyslexique, on a pu, grâce à une étude qui a été faite par des étudiants du DU, qui sont tous des professionnels, on a pu, si vous voulez, séparer, du point de vue statistique, l'interrogatoire de tous les signes qui ont été décrits par l'école portugaise, puis d'autres signes qu'on avait retrouvés après, entre un groupe de dyslexiques et de normolecteurs, une centaine. On a confié ça à une compagnie de biostatistiques et on a eu la surprise de voir qu'on retrouvait bien des signes cliniques dans les trois domaines, mais que ce qui séparait le plus les 10, les non-10, on va y revenir, c'était les troubles du sommeil. Alors, je me permets de le répéter, ce qui se sépare cliniquement, quand on a la curiosité de rechercher les 10 des non-10, ce ne sont pas les troubles de la lecture, ce sont les troubles du sommeil. Ceux qui sont un peu férus en statistiques savent qu'il y a un petit P, hein, on parle de différences statistiquement significatives quand le P est inférieur à 0,05. Là, on parle de P qui sont de l'ordre de 0,001. C'est-à-dire, c'est une énorme différence statistique et vous verrez pourquoi. Comment on va s'organiser l'examen clinique ? Eh bien, il va s'organiser autour du triangle. On va d'abord chercher la symétrie tonique, donc on va regarder la posture et on va étudier le tonus musculaire. Alors là, il existe différentes techniques, je ne peux pas aller plus loin, mais en gros, on va rechercher la symétrie du tonus dans la rotation, l'extension de la tête, au niveau des muscles du bassin, etc. On va rechercher la localisation spatiale. Et pour ça, on va utiliser un test qui a été remis à l'honneur toujours par le même kinésithérapeute, Matron, Eric Matron, qui est le test qu'on appelle le test de Maddox, qui consiste, si vous voulez, à transformer l'image d'une petite lumière en un trait rouge pour un des deux yeux. Donc, en fait, les deux yeux voient le même objet, mais sous une forme différente. Et le cerveau, comme toujours, doit aligner les deux images. Et ce que l'on va chercher, c'est la fameuse labilité. Donc, on va modifier tous les capteurs, la bouche, les pieds, les yeux, etc. Et on va essayer de s'arranger pour que les deux yeux voient toujours et toujours la même perception spatiale. Pourquoi est-ce que c'est important ? Eh bien, vous voyez ici un petit graphique. On avait fait une étude qu'on a publiée dans la Société européenne de pathologies cognitives. On a fait, si vous voulez, une statistique sur une quarantaine d'enfants où on a étudié à 3 mois qu'est-ce qui se passait chez les enfants au niveau de la lecture, le test de lecture, lorsque on modifiait la localisation spatiale par la thérapeutique. Eh bien, on s'est aperçu que si on prenait le groupe des 40 enfants, on était très content puisqu'on avait une amélioration de 3 mois et demi du retard de lecture en 3 mois de traitement. Je vous rappelle que un enfant qui n'est pas traité, dyslexique, ça en a montré aussi, 1 mois de vie égale 1 mois de retard. C'est aussi simple que ça. Là, si vous voulez, non seulement on arrêtait le retard, mais en plus, il récupérait 3 mois et demi de lecture.
On a d'ailleurs actuellement un protocole sur 170 enfants. On retrouve exactement la même chose. Mais à l'intérieur de ce groupe, d'une quarantaine d'enfants, on avait des enfants qui n'avaient pas progressé. Et on avait des enfants qui avaient beaucoup progressé, qui avaient progressé des fois d'un an. Et on s'est aperçu que, en fait, le critère de progression, c'était bien la validité de ce test. C'est-à-dire que lorsque ce test est normalisé, les enfants, le groupe d'enfants qu'on a normalisé, va progresser de plus de 6 mois, en 3 mois de traitement. Alors que ceux où on n'a pas normalisé vont perdre 3 mois quasiment de lecture. C'est-à-dire que si vous n'avez pas normalisé ce test, en gros, l'enfant continue à mal évoluer. Alors, je vais venir, si vous voulez, à la gorge et disons au pharynx. Juste, vous avez vu que le pharynx, je vous l'ai dit au départ, c'est un endroit, si vous voulez, qui réunit un peu toutes les capacités proprioceptives, des capacités proprioceptives très particulières. Le pharynx, quand vous êtes mort, bien c'est très simple, il est fermé. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, il est dilaté, il est ouvert uniquement parce que vous avez des muscles qui activement ont un certain tonus. Ces muscles dilatateurs du pharynx, au nombre d'une douzaine, ont une innervation très intéressante. À peu près la moitié sont innervés par le nerf trijumeau. C'est celui qui porte la proprioception des yeux. Et puis, il y a d'autres nerfs qui innervent les autres. Normalement, pendant le sommeil, et en particulier pendant le sommeil paradoxal, chez tout le monde, vous avez une baisse de tonus de quasiment tous les muscles, sauf évidemment, c'est plus relatif, des muscles qui sont vitaux. Au niveau du pharynx, on doit déglutir, on doit respirer, même si la nuit on parle, on doit parler. Vous voyez, c'est complexe et la majorité des fonctions du pharynx sont automatisées, sont réflexes. Eh bien, chez les enfants qui ont un trouble proprioceptif, il semblerait, mais on est quasiment certain maintenant, que le pharynx a tendance, si vous voulez, à se rétrécir encore plus, en particulier en raison de la dysfonction du trijumeau. Normalement, la fonction diaphragmatique doit compenser, il y a un arc réflexe, doit compenser la baisse de débit au niveau du pharynx. Si vous avez un problème postural, vous aurez une fonction diaphragmatique dans 90% voire 99% des cas inversée. Cet arc réflexe ne fonctionne pas. Ça va avoir pour conséquence ce qu'on appelle, ce qui a été décrit par Guy Minot dans les années 70, le syndrome d'augmentation des résistances des voies aériennes supérieures. En français, c'est le SARVAS, syndrome d'augmentation de la résistance des voies aériennes supérieures. Quelquefois, ça va aller jusqu'à des apnées, mais très rarement. Le SARVAS, lorsqu'il survient, provoque des micro-réveils au niveau cérébral. Ces micro-réveils sont délétères pour la mémorisation, sont délétères pour le repos, et ne font donc pas s'étonner que ces enfants aient des troubles attentionnels à l'école, les troubles attentionnels des 10, dans la très, 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 très grande majorité des cas, contrairement à ce qu'on peut entendre, ne sont pas d'origine neuropsychologique. Pour nous, ils sont d'origine respiratoire. Ce sont des micro-réveils et il faut traiter ce SARVAS pour arriver à régler le problème. Et ce n'est pas pour rien que les 10 se séparent des non-10 en raison des troubles respiratoires. C'est une des clés du traitement. Je le répète, la plupart des troubles attentionnels les enfants 10 sont liés à des troubles de perméabilité du pharynx pendant le sommeil, notamment le sommeil paradoxal. Et j'irai même plus loin, il y a maintenant des études qui semblent montrer que chez l'enfant en bas âge, l'organisation anatomique, les migrations cellulaires des neurones au niveau du cerveau, ait lieu pendant le sommeil, de manière préférentielle. Et on peut se demander aujourd'hui si le cerveau si singulier des dyslexiques n'est pas finalement en partie le résultat de perturbations des migrations liées à des troubles du sommeil. Ça, c'est pour l'avenir. La prise en charge, je vais être très rapide, je pense que j'ai déjà dépassé mon temps. Non, ça va encore. La prise en charge, je vais être très rapide, je répondrai aux questions. Elle consiste, si vous voulez, à changer les capteurs. Là, je parle uniquement du traitement proprioceptif. On va agir sur les yeux en modifiant la localisation spatiale et la tension des muscles oculaires par des prismes. Alors, on a un arbre décisionnel qui a été
trouvé par Orlando Alves da Silva, qui est à l'écoute. Encore merci Orlando, qui nous a sauvé la vie. On peut changer la perception au niveau de la bouche, disons la sphère orale, par ce qu'on appelle des alphes, ce sont des petites surélévations qu'on pose sur les dents. Ce système n'est pas exclusif, on peut aussi par d'autres méthodes d'orthodontie arriver au même résultat. On va changer le capteur plantaire par des semelles dont la caractéristique est d'avoir des stimulations extrêmement faibles, parce que la proprioception, comme la plupart des sens, fonctionne non pas d'une manière linéaire, ce n'est pas parce que la stimulation est forte que la réponse sera forte, mais suivant une méthode, un modèle mathématique, si vous voulez, non linéaire. De petites stimulations vont avoir de grands effets à condition d'être juste placées au bon moment et sur un système avec un équilibre particulier. Et puis, il y a des choses aussi très importantes. Pour moi, c'est une des clés. Il faut absolument restaurer une respiration normale. Et pour ça, et c'est notre difficulté, ça embête tout le monde, il faut absolument que les enfants fassent des exercices qui vont modifier la fonction diaphragmatique. Si l'enfant a des troubles du sommeil à l'interrogatoire et que l'on traite simplement par des semelles, par la bouche, par les prismes, on va avoir une amélioration qui va être limitée. Il faut absolument traiter le cervas. Il y a aussi des postures particulières, qui sont des postures ergonomiques. Et puis, on va utiliser aussi beaucoup l'ostéopathie lorsqu'on a des blocages ostéopathiques, on pourra en parler. Évidemment, tout ça, ça suppose un travail en équipe. Aucun professionnel n'est capable de travailler seul. C'est une des difficultés, il faut arriver à former les équipes. Et évidemment, on ne travaille jamais seul. Voilà le schéma, la conception qu'on a actuellement du traitement proprioceptif. Pour nous, il est extrêmement difficile de rééduquer un enfant si vous n'avez pas déjà normalisé sa sensorialité. C'est la clé. Avant d'aller faire de l'orthophonie, avant d'aller faire de l'ergothérapie, d'autres rééducations, si l'enfant n'a pas une sensorialité normale, vous allez soit à l'échec, soit à une amélioration extrêmement limitée. Donc pour nous, c'est la base du traitement. Et c'est quand la proprioception fonctionne bien, quand la sensorialité qui en dépend fonctionne bien, que l'on peut proposer les différentes rééducations que la plupart des parents et des professionnels connaissent, évidemment. Et j'insiste toujours sur le fait qu'elles doivent être ciblées et minimalistes. On voit trop d'enfants qui font 4-5 rééducations par semaine. Aucun adulte n'accepterait ça. On impose ça aux enfants. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut faire des choix. Il faut être successif, il faut être progressif, il faut respecter la vie des enfants. La scolarité, c'est très important, mais ce n'est pas tout. L'enfant a le droit de se développer aussi autrement. Et puis, évidemment, le troisième pilier, c'est la pédagogie. Si on n'a pas ces trois éléments, les rééducations, le traitement proprioceptif et la pédagogie adaptée, il ne faut pas se faire d'illusions, on peut progresser, mais on n'ira pas très loin. Et évidemment, au centre de tout ça, il faut l'appui parental dans tous les domaines. On ne peut pas faire un traitement sans l'appui parental. Voilà. Voilà, j'ai terminé la présentation. Je suis tout à fait prêt à répondre aux questions de tout le monde. Anne-Charlotte ? Oui, voilà, merci beaucoup. Patrick, je pense que c'était très clair. Voilà, parmi les questions qu'on posait, enfin que les personnes m'ont envoyées, c'était ben, voilà, comment peut-on détecter en fait une dysproprioception ou dysperception, enfin voilà, ce qui semble être un synonyme. Donc je pense que vous avez très bien répondu à tout ça. Et donc il y avait l'idée de se dire finalement à partir de quel âge on peut dépister ça, et à partir de quel âge on peut commencer à agir. Voilà, il y a une participante qui demandait, tiens, à partir de l'âge de 2 ans, 3 ans, est-ce qu'on peut commencer à voir des choses? Est-ce qu'il vaut mieux attendre? Et à la fois, il y avait cette question, est-ce qu'on peut aussi traiter finalement des adultes? Est-ce qu'à un moment, il n'est pas trop tard? Donc là, on était vraiment dans des questions d'âge. Alors, pour ce qui est de l'âge, j'ai une réponse qui est obligatoirement, si vous voulez, l'examen est uniquement clinique aujourd'hui. Donc, ça suppose la participation de l'enfant, si on parle d'enfant. Et donc, en pratique, déjà, l'interrogatoire permet de savoir s'il y a un problème proprioceptif. Le problème proprioceptif est probablement génétique. Donc, il y a un terrain génétique avec des facteurs épigénétiques qu'on connaît mal.
Mais déjà, lorsque la génétique a parlé, on peut se méfier. Est-ce qu'on peut examiner un enfant à 2 ans? Aujourd'hui, si vous voulez, moi, j'en suis complètement incapable. Le schéma corporel n'est pas encore mis en place, donc c'est extrêmement compliqué. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que chez les petits, un des éléments essentiels, c'est vraiment de laisser la motricité se développer correctement. Faut pas bousculer les choses, les youpala, des choses comme ça. Faut laisser les enfants faire leur motricité à leur rythme. Il n'y a encore aucun être humain qui ne soit pas arrivé à marcher, donc faut pas s'affoler. Faut respecter la motricité dans les apprentissages. Donc là, il y a des méthodes plus ou moins statiques d'apprentissage, d'autres qui sont plus ou moins dynamiques. En pratique, faire un examen fiable, parce qu'il ne faut pas se tromper quand on met le traitement en place, hein. Il ne faut pas se tromper dans les prismes, etc. On peut être délétère si on ne travaille pas bien, hein. Avant la grande section, c'est difficile. L'autre extrémité a un autre problème, c'est-à-dire que là, on est dans une pathologie fonctionnelle, mais la pathologie fonctionnelle n'est pas indépendante de la mécanique. Prenons, non pas un dyslexique, mais quelqu'un qui a un SDP et qui fait des lumbagos à répétition, qui finit par faire une hernie discale, c'est sûr qu'on va avoir un appui thérapeutique qui sera beaucoup plus délicat que celui qui a 20 ans, qui n'a pas de problème. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut toujours essayer, parce que l'intérêt du traitement proprioceptif, c'est que lorsque vous mettez la modification en place, c'est du sensoriel, le résultat doit être immédiat. C'est comme quand on vous essaye un verre de lunettes, hein. Si vous êtes myope de moins 2, on vous met moins 1,50, vous ne voyez pas bien. Si on vous met moins 1,50, vous verrez mieux que sans rien. Mais le lendemain et un an après, ça ne sera pas mieux. Ça doit être là tout de suite. D'accord? Donc, on peut toujours essayer. Personnellement, j'ai peu d'habitude des adultes. Moi, je confie mes adultes à un collègue, tout simplement parce que pour développer des choses, il faut voir beaucoup de pathologies. Beaucoup, beaucoup, et dans une classe particulière. Et moi, j'essaie beaucoup de m'intéresser aux dyslexiques, donc je vois beaucoup plus d'enfants. Mais ce que je peux vous dire, Orlando, par exemple, traite beaucoup d'adultes, hein, il pourra prendre la parole et le dire. On peut toujours les aider, c'est sûr. Il y a des personnes adultes qui sont ressuscitées avec le traitement proprioceptif. Comme il y a beaucoup de symptômes et que cette déficience proprioceptive est mal connue du monde médical, les adultes finissent toujours avec le même traitement, qui sont les antidépresseurs. On finit par penser qu'ils ont un truc dans la tête qui ne va pas, que ce sont des simulateurs, etc. Ce qui est complètement faux. Ils ont toujours mal quelque part, ils ont des sensations vertigineuses, ils font des malaises, etc. Et toute la médecine organique, tous les examens complémentaires sont normaux jusqu'à un certain point. Donc, ils finissent par avoir des antidépresseurs qui ne fonctionnent pas. Qui ne fonctionnent pas. Donc, il y a toute une. Si vous voulez, c'est 10% de la population, hein. Donc, ça veut dire qu'il y a 600 millions de personnes dans le monde qui ont une dysfonction proprioceptive. Donc, combien de personnes abandonnées? Il y en a énormément. Oui, je suis vraiment d'accord avec ça. Je pense que ce serait intéressant, peut-être pour les gens qui nous écoutent, de reprendre un petit peu les signes qu'on pourrait peut-être classer. Voilà, on a parlé dans les signes, effectivement, tout ce qui est en lien avec des problèmes de sommeil. C'est vrai que dans mes consultations, je vois énormément d'enfants qu'on me présente comme ayant des pseudo-troubles d'attention et de l'hyperactivité. Qui d'ailleurs consomment pas mal de sucre. Alors, on vient accuser le sucre, mais c'est vrai que ce sont des enfants qui doivent tenir le choc de la journée, n'est-ce pas? Et donc, qui se dopent comme ils peuvent et qui ont un faciès assez typique. Alors, on voit un teint assez pâle, des enfants qui ont des cernes plus impressionnantes que les miennes. Et effectivement, ces enfants dont l'attention varie anormalement dans le temps, et c'est vrai que si en tant que neuropsychologue, on n'est pas au courant que des troubles du sommeil peuvent exister chez les enfants, bien on va aller à tort considérer qu'il s'agit d'un TDAH avec des médications qui ne seraient pas du tout appropriées dans ce cas-là. Mais donc voilà, des choses en lien avec des perturbations du sommeil. Et donc effectivement, Patrick Kersia, des troubles finalement cognitifs, finalement qui vont ensemble, des problèmes d'attention, peut-être aussi des problèmes de mémoire. Parce que, évidemment, si on n'a pas un sommeil réparateur, on saute des phases de sommeil, on ne peut pas consolider, du coup, en mémoire les acquis. Donc, c'est des enfants. On vient me voir, les parents disent, Madame de Clercq, nous, on devient dingue. Théo connaissait parfaitement sa leçon. On a travaillé dessus, on a mis du temps. Et le lendemain, ben, voilà, les résultats sont. Voilà, comme s'il avait. Il avait oublié, quoi. Enfin, ben, oui, tout ça, ce sont des signes vraiment intéressants.
Et donc, on a donc tout le côté cognitif, des difficultés à rester sans rien faire. Parce qu'effectivement, Patrick, je ne sais pas vous, mais quand moi, je suis crevée, je suis vachement agitée. Je me booste comme ça toute la journée. Et donc, je suis un peu pile électrique et j'ai plus de mal à gérer mes émotions. Hein. Donc, effectivement, tout ça forme un tout cohérent. Et donc, effectivement, quand vous dites dyslexie, effectivement, moi, je m'intéresse beaucoup à la dyspraxie. Et donc, effectivement, les problèmes proprioceptifs concernent finalement presque tous mes patients dyspraxiques. Vraiment, chez tous, je retrouve le tableau que vous avez proposé. Mais donc, effectivement, quand on parle de dysproprioception, alors on parle de combien de catégories de signes, selon vous ? Alors, on a validé, je ne l'ai plus en tête exactement, mais je crois que c'est 52 signes aujourd'hui validés. Mmh. Il y en a d'autres qui sont extrêmement fréquents, mais qu'on n'a pas pu valider parce qu'ils sont aussi fréquents dans d'autres populations. Par exemple, la maladie de Sever, les douleurs dans les talons, c'est très fréquent chez les enfants qui n'ont pas de troubles proprioceptifs, donc ça ne permet pas de distinguer les deux groupes. Je voudrais revenir sur le sommeil parce que c'est vraiment… on a un problème de diagnostic. On ne peut faire le diagnostic de Sarvas que si on fait un électroencéphalogramme de sommeil. Donc, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, en général, quand on suspecte un trouble du sommeil, on fait une polygraphie ventilatoire, c'est-à-dire qu'on prête à l'enfant un appareil et cet appareil va être fiable s'il fait des apnées. Donc, en règle, on dit il n'y a rien. Non. Il faut aller plus loin, il faut faire une polysomnographie où il y a un électroencéphalogramme. Les délais de polysomnographie en France sont extrêmement longs, c'est-à-dire que ça se compte souvent en années. Alors, le diagnostic est simple, il suffit de prendre l'interrogatoire. Les questions qui sont dedans sont les questions qui ont été validées par la société de sommeil pédiatrique américaine. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement fiable. Il y a un score. Et on sait que quand vous arrivez à un certain score, ce n'est même pas la peine de faire un enregistrement. C'est sûr qu'il y a un problème à ce niveau-là. La conférence de consensus sur les relations entre troubles attentionnels et apnée et Sarvas de l'enfant a été aux États-Unis, a eu lieu à la fin des années 90. Je dirais qu'à ce niveau-là, on a 20 ans de retard. On continue à dire que les enfants qui ont des troubles attentionnels ont un problème neuropsychologique. Il faut arrêter ça. On peut dire ça quand on aura éliminé toutes les causes relatives à la qualité du sommeil. Il suffit de demander aux mamans de rester 2 heures, les cycles de sommeil, c'est 2h30 à peu près, de rester 2 à 3 heures à côté de l'enfant et d'observer comment il déglutit, comment il respire pendant la nuit, et le diagnostic est posé. Hein. Oui, oui, c'est relativement simple. Et puis, l'interrogatoire, c'est une des clés. Mmh. C'est une des clés. C'est hyper fréquent. Pas besoin d'avoir un spécialiste. Mmh. Donc voilà, moi je tenais à témoigner en tant que voilà, neuropsychologue, c'est extrêmement, extrêmement fréquent. Et c'est vrai qu'à la fac de neuropsychologie, on ne nous en parle pas du tout. Et donc, nous sommes parfois assez mal formés. Si on ne nous donne pas l'information, on ne peut pas la connaître et on passe volontiers à côté. Et c'est très, 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 très fréquent en fait en cabinet de neuropsychologie. C'est probablement... je ne sais pas moi, 80% des cas des enfants qui viennent me voir pour des pseudo-TDAH. Bien, donc ici, ben voilà, on a abordé déjà pas mal de questions. Les autres qui suivent, c'est ben justement comment faire, vers quel professionnel se tourner. Donc, effectivement, il y a ce questionnaire qui existe. Hein, j'ai donné les références ici sur le chat. On me demandait où trouver ce questionnaire. Ben, il est sur ce site dyslexie.fr, hein, votre site. Et ben voilà, on peut remplir ceci et ensuite... qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que, ben, voilà, vers quel professionnel se tourner ? C'est encore trop peu connu. Comment faire ? Alors, c'est que Charlotte, tu sais que la réponse est extrêmement compliquée. Ben oui. Parallèlement au travail de recherche qu'on a fait au labo, on a ouvert en 2008 un diplôme universitaire, que tu as fait, hein, brillamment d'ailleurs, que d'autres professionnels en Belgique ont fait d'ailleurs. Et c'est sûr que, vu la fréquence des troubles proprioceptifs et vu l'extrême petit nombre de professionnels qui savent les prendre en charge, on se trouve dans une situation extrêmement difficile.
Mais je ne sais pas, on ne peut pas répondre autre chose à ça. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a un certain nombre de personnes, un nombre important de personnes qui sont condamnées à une certaine observation. Hein. On peut pas, voilà, on peut pas gérer tout. Alors les professionnels, pour les trouver, alors vous en avez en Belgique. Hein. Je rajouterai sur ceux que tu connais, docteur Clotuche, hein, qui est ophtalmo, c'est Vieron. Oui, c'est en région Connais. liégeoise. Oui, c'est vrai qu'on a Voilà, la il y a chance. pas mal de gens dans la région liégeoise. Et puis, il faut vous adresser à Sensoridis, qui a la liste des gens formés et à jour. Parce que faire une formation, c'est bien, mais si on l'a fait en 2009 et puis on n'a pas fait l'effort de suivre, ça ne peut pas aller. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est un enfant qui est en train de naître, hein, le traitement proprioceptif. Donc, on fait tous les efforts pour le faire grandir dans de bonnes conditions, mais pour l'instant, c'est encore extrêmement difficile, très difficile. J'ai pas vraiment de réponse, quoi. Alors ici, merci. Parmi les autres questions, on avait finalement en quoi consiste le traitement. Il y en a qui m'ont demandé, tiens, est-ce qu'il faut porter des semelles orthopédiques? Je suis désolée de sourire, mais enfin, voilà, donc, je peux déjà dire que non. Mais voilà, de semelles de prisme. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, finalement, donc on a parlé de plusieurs capteurs, plusieurs entrées. Donc nécessairement, on va agir à ce niveau-là. Comment? Quel matériel? Et surtout, on me demandait combien de temps tout ça va prendre finalement. Alors, je vais revenir en arrière. Je pense que ça, c'est bon. Alors, si on reprend les différents éléments, hein. Dans le traitement, vous avez les prismes. Alors, les prismes, c'est donc c'est un système qui dévie la lumière, qui est inclus dans des lunettes, qui sont correctrices ou non. Donc là, il y a un schéma, si vous voulez, mais il faut être un professionnel pour retrouver les prismes. Hein. C'est tout. C'est le résultat de l'examen, évidemment. Hein. Il y a donc la bouche qu'on peut toucher, et puis il y a les semelles. Alors, ce ne sont pas des semelles orthopédiques, ce sont des semelles avec des petits éléments, parce que le but n'est pas de changer la mécanique, c'est de changer la sensorialité du pied. C'est ça qui est important. Je dirais, après, bon, il y a l'ostéopathie qui aide, et puis il y a tout ce qui est travail musculaire bien fait. Par exemple, pour les enfants qui ont des troubles du sommeil et des troubles attentionnels, même si vous n'avez pas accès au prisme, etc. Je peux vous assurer que déjà faire les exercices respiratoires et la position de sommeil avec la respiration abdominale le soir, et ça, c'est des petits films qui sont accessibles sur Internet, donc c'est très facile, ça change déjà 50% de la situation. Hein. Rien que ça. En se rappelant que les troubles du sommeil, ce n'est pas seulement les troubles proprioceptifs, ça peut être aussi le téléphone à 3 h du matin, ça peut être tout ça. Hein. Donc c'est multifactoriel. Mais déjà en faisant les exercices de reprogrammation, vous allez aider. C'est vrai, ces exercices. Combien de temps? Si tu avais une question, combien de temps? Eh ben, c'est le temps nécessaire. C'est une reprogrammation. Donc c'est le temps nécessaire. Et la reprogrammation va dépendre de beaucoup de choses. La qualité du traitement, elle va dépendre du niveau où l'enfant était. Hein. C'est-à-dire que si vous prenez un gamin de 12 ans, qui ne sait pas lire, il faut tout reprendre à zéro. Hein. Donc ça ne va pas se faire en 6 mois, c'est sûr. Est-ce que c'est un problème? La réponse est non. Ce sont les enfants qui sont en souffrance et celui qui intègre l'idée qu'on peut l'aider, qui est d'accord pour faire tout ça, met des lunettes pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, ce n'est pas un problème pour lui, franchement. Oui, je suis d'accord, sachant qu'il y a effectivement, oui, la vie scolaire, la lecture, l'attention, mais il y a aussi la qualité de la vie. C'est-à-dire Bien que sûr. oui, quand il y a un souci au niveau proprioceptif, ça donne toute une série de douleurs en plus qui se déplacent. Et donc, c'est très, très, très inconfortable. Il y a une fatigue intense, pratiquement permanente, aussi en lien avec tout ça, hein, pas seulement les problèmes de sommeil, mais enfin bref, voilà, ça fait un effet boule de neige. Et donc effectivement, probablement les premières choses qui apparaissent, c'est un soulagement, une qualité de vie, un confort, être bien dans son corps. C'est essentiel au niveau émotionnel aussi, de nouveau, voilà, on tourne toujours sur les mêmes choses, mais se sentir mieux dans son corps, plus confortable, ne plus avoir mal, ne plus avoir de maux de tête. Parce que voilà, les enfants disent, hein, on se plaint beaucoup, hein, de maux de tête. Sans qu'on comprenne bien pourquoi les maux de tête sont là, mais en tout cas, ben, il y a voilà, des explications. C'est un peu long ici de parler de ça, mais voilà, là aussi, on a une nette amélioration.
Je voulais juste redire à propos ben, justement des exercices qui étaient proposés. Donc, ils se trouvent en fait sur YouTube. Sur YouTube, on tape Patrick Kersia, respiration, debout, couché. Il y a position d'endormissement et un exercice de marche. Et donc, voilà, c'est là généreusement offert. Et c'est vrai que c'est indispensable à faire parce que souvent, ben, voilà, quand moi, je donne ces exercices à faire aux familles, on se dit « bon ». Et en fait, c'est essentiel, Patrick Kersia, ces exercices, ils apportent vraiment quelque chose, un petit plus ou vraiment un gros plus? Alors, on a maintenant pas mal de recul sur les résultats du traitement. Et très franchement, il y a deux groupes. Il y a un groupe où ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à vraiment arranger les choses, sans savoir si c'est nous, si c'est le patient qui ne fait pas bien, etc. Ça, bon, voilà, c'est le groupe comme ça qui, où ça ne fonctionne pas. Moi, je l'estime dans mes patients à peu près 20%, ce qui est beaucoup, mais il reste quand même 80%. Et dans ceux qui restent, il y a vraiment deux groupes qui se séparent. Au départ, il y a une amélioration, c'est sûr. Et ceux qui sont tenaces dans la respiration jusqu'à ce que ça se normalise, ceux-là vraiment évoluent très bien. Les autres s'améliorent, mais il reste des problèmes. Voilà. Donc, c'est pour ça que la respiration… Je l'ai dit, j'ai fait une petite vidéo avec Corinne où je dis la respiration, ça casse les pieds aux thérapeutes, ça nous prend du temps. Ça casse les pieds aux parents, c'est conflictuel. Ça casse les pieds aux enfants, mais c'est comme ça. Il faut faire avec. On n'a pas pour l'instant d'autres solutions vraiment. Alors, ça paraît tout à fait, comment dire, on dit voilà, c'est du bien-être, etc. Pas du tout. Pas du tout. Ce qui se passe pendant la nuit, c'est un cataclysme pour ces enfants-là. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à gérer ça, le traitement du jour ne va pas bien fonctionner. Donc, il faut faire l'effort de faire les exercices. C'est quand même pas grand-chose. Hein. Ça prend à peine 10 minutes le soir. C'est quand même pas grand-chose. Hein. Ben voilà, par rapport à tout bénéfice qu'on peut avoir. Donc ici, vu qu'on est toujours là, effectivement, sur la prise en charge, donc on a parlé voilà, des prismes, des semelles, certains types de semelles, des exercices de respiration. Finalement, on me posait ici la question, c'était Sigrid Gillet qui posait la question. Finalement, est-ce qu'on pourrait imaginer de traiter des enfants qui ont été opérés d'un strabisme? Est-ce qu'on peut proposer ce traitement-là? Est-ce qu'on aurait un résultat quand même intéressant? Ou est-ce que, du coup, là, ça ne convient pas? La réponse est franchement oui. Hein. Mm-hmm. Si vous voulez, quand il y a un strabisme, ça nous pose des problèmes diagnostiques. L'examen est plus difficile. Mm-hmm. Mais il n'y a pas de problème. Parce que, à partir du moment où il y a une acuité visuelle périphérique sur les deux yeux, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Plus compliqué pour nous, mais ce n'est absolument pas une contre-indication. Super, alors là j'ai toujours dans l'idée des prismes, on a Valérie Capelard qui est ancienne opticienne, et donc là je vais me permettre de lire la question parce que ça c'était pas mon métier, et donc elle nous demande, le traitement anti-reflet sur les verres est-il primordial dans la compensation optique des 10, qu'il soit avec effet prismatique ou non? Donc est-ce que les reflets parasites sont source d'informations supplémentaires dans le traitement proprioceptif? Voilà, si Valérie Campelard est là, j'ai lu textuellement. Voilà, je crois que le traitement anti-reflet dans les prismes est systématique. Hein. Vous avez une direction de la lumière quand même, donc c'est le reflet. Et ça peut gêner les enfants, ça peut donner des images, si vous voulez, parasites. Donc oui, le traitement anti-reflet, il faut l'utiliser, bien sûr. Oui. Mm-hmm. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors ici, on avait la question donc toujours dans la durée. Donc on a bien compris que la durée de ce traitement, mais ça dépend de plusieurs facteurs et je suis vraiment d'accord avec ça. Maintenant, est-ce que pour certains patients, entre guillemets, le traitement est à vie? Quand on parle de traitement, c'est est-ce qu'on doit porter les prismes toute la vie, les semelles, le cas échéant, enfin voilà. Est-ce que ça va être le cas ou est-ce qu'à un moment, on peut imaginer que voilà, on retire les éléments et on a un effet permanent qui est là? La réponse est oui, hein, c'est-à-dire que la plupart, enfin, je ne connais pas de patient qui n'ait pas eu besoin d'arrêter le traitement à un moment donné, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant se rend compte que ça ne sert plus à rien, s'il lit bien, il se concentre bien, etc., voilà, c'est réglé. Ça n'empêche pas d'avoir ses lunettes dans un coin et d'y revenir de temps en temps si c'est nécessaire, mais on a créé un point zéro, un point de référence. Il est tout à fait capable de sentir si ça va ou si ça ne va pas. C'est la même chose pour les exercices. À partir du moment où vous avez une respiration abdominale physiologique qui s'est mise en place, il n'y a pas de problème.
Par contre, si un jour il y a un stress, si il y a quelque chose qui ne va pas, le gamin va refaire la respiration 2-3 soirs de suite et puis c'est reparti. Hein. C'est intrinsèquement chez le sujet, le trouble proprioceptif. Mais par contre, on va l'aider à le compenser. Donc la plupart, la très 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 grande majorité des cas, au bout d'un certain temps, enlève, si vous voulez, les prothèses, entre guillemets. Hein. Alors souvent, les dernières à enlever sont les semelles. Mais les semelles, c'est facile parce que ça donne des douleurs si on a besoin de les avoir. Donc c'est on-off, c'est pas comme les troubles cognitifs. Mais la réponse est oui, le traitement n'est pas à vie. D'accord, donc finalement, là, on me demandait, tiens, est-ce que ce serait faux alors si on nous dit 10 un jour, 10 toujours ? C'est complètement faux, oui. C'est clair, hein, c'est net, la réponse est très simple. On a beaucoup, au cabinet, on a vu plus de 11 000 dyslexiques, et j'en ai encore vu 3 ce matin, si vous voulez, qui ont plus de 30 ans, puisque je m'intéresse à ça depuis longtemps, qui lisent strictement normalement, qui ne sont plus dyslexiques. Ils ne sont plus dyslexiques. Ils viennent voir pour s'il y a encore quelque chose à faire, ils lisent normalement. Hein, c'est-à-dire que si la dyslexie, la définition, c'est le trouble de la lecture, c'est terminé. La dyspraxie, c'est un peu plus compliqué. Attention, la dyspraxie, c'est un SDP plus compliqué, plus, comment dire, c'est plus difficile de contrôler tous les gestes que de contrôler la lecture, probablement. Mais je veux dire, ce sont les gens qui ont ensuite une vie normale, quoi, c'est tout. Hein. Donc, dyslexique toujours, non, c'est faux. Et dyspraxique, ben voilà, moi, c'était le sujet de mon mémoire hein, pour le DU. Oui. et ben oui, les résultats sont excellents, en tout cas, c'est extrêmement prometteur. Et donc, voilà, c'est des patients que je n'ai absolument plus à revoir maintenant parce que, ben, au pire, ils gardent quelques fragilités. Mais j'ai envie de dire, comme tout un chacun, on n'appelle pas ça un trouble d'apprentissage. Un trouble d'apprentissage, c'est quelque chose qui est handicapant, contre lequel on a du mal à lutter. Et donc, ben voilà, ils gardent des petites fragilités qui ne sont plus du tout gênantes. Et voilà, ils ont un confort de vie magnifique. Maintenant, ben voilà, je suis sur cette page, la Sensory 10, c'est super intéressant. Et alors, ben voilà, j'avais envie d'en parler. C'est vrai que nous, les neuropsychologues, les ergos, les orthophonistes, en général, quand il y a un trouble d'apprentissage, ben, on met en place des aménagements scolaires pour soulager le patient, pour rendre justice quelque part à ses compétences, qu'elle puisse en tout cas s'exprimer et soulager. Et puis voilà, moi, c'est comme ça que je pratique encore aujourd'hui. Donc, je mets ça un petit peu comme un filet de sécurité en attendant qu'on puisse mettre en place le suivi au niveau proprioceptif. Et alors, c'est intéressant de lire sur la page Facebook Sensory 10 des angoisses souvent de mamans qui disent, ben voilà, ça m'inquiète parce que ben voilà, l'institutrice de mon fils m'a dit que finalement aujourd'hui tout se passe très bien, elle propose de retirer les aménagements scolaires, mais je ne sais pas si je dois accepter parce qu'on m'a tellement dit que 10 un jour, 10 toujours, que... Bon, eh bien oui, madame, c'est tout à fait possible. C'était l'objectif, c'était que ce soit le momentané, que ce soit un peu le coup de pouce, et puis voilà, laisser sa chance au traitement qui fonctionne. Donc ça, c'est chouette. Évidemment, on n'est pas dans le miracle. Hein. Il y a des gens où on a des effets un peu moins spectaculaires, mais en tout cas, voilà, très, très souvent, c'est hyper intéressant. Alors ici, je vois dans les questions qui nous restent à aborder, ben oui, Patrick Hersia, on avait un petit peu préparé ici cet exposé. Il y a plusieurs personnes qui voulaient qu'on évoque le lien qu'il y avait entre, anciennement appelé SDP, hein, donc aujourd'hui dysproprioception, voilà, le lien entre ça et une forme d'autisme type Asperger. Que sait-on à ce sujet-là aujourd'hui ? Alors, je vais botter en touche. Je vais botter en touche parce que je ne sais pas répondre à ça. J'ai eu l'occasion d'examiner des Asperger. Ils ont des troubles proprioceptifs, d'accord. Mais beaucoup de gens ont des troubles proprioceptifs et les troubles cognitifs n'ont pas de relation. Donc, je dirais que moi, dans mon expérience, je n'ai absolument pas assez d'expérience pour pouvoir répondre à cette question. L'autisme, les autistes ont des troubles proprioceptifs, on le sait, mais
voilà, beaucoup de gens ont des troubles réceptifs sans que c'est une relation avec la pathologie qui est dominante. Donc aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Autant je peux vous parler des dyslexiques et des dyspraxiques, autant je suis incapable d'en dire plus sur les autistes, en sachant aussi que dans l'autisme, voilà, c'est une classe tellement variée en intensité et en type que parler de l'autisme en général, moi je ne sais pas le faire en tout cas. Regarde non plus. Je n'ai pas assez de compétences pour répondre à une question comme ça. Mais en tout cas, ce serait un sujet très intéressant à aborder. C'est vrai que nous, ici en Belgique, on essaye de travailler là-dessus, hein, avec une chouette ergo qui se reconnaîtra probablement, Mademoiselle Abraham, dans la région montoise, qui est spécialisée dans l'autisme. Alors, on essaie de voir, notre petite équipe ici, si on pouvait, si on peut faire quelque chose. Mais effectivement, voilà, la science, les recherches, ça demande du temps, voire vraiment très, beaucoup, beaucoup de temps, des années. Donc voilà, ici, je pense avoir fait un petit peu le tour des questions, parce que finalement, tout le monde avait un petit peu les mêmes intérêts. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? N'hésitez pas à allumer votre micro. Il y avait une question par rapport à l'orthopsie. Ah oui. La question par rapport à l'orthopsie, si j'arrive à passer un petit film, parce que beaucoup d'enfants disent font de l'orthopsie, hein, ce qui est profitable, mais la question, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut la faire, quand est-ce qu'il ne faut pas la faire. Donc, j'ai fait un petit film, si tu veux, je peux essayer de le passer. Mmh. Et j'ai fait aussi un petit film, enfin c'est un film que j'ai depuis longtemps, sur ce qu'on appelle les scotomes visuels avec le son, pour que les gens aient une image un peu plus simple de ça. J'essaye de les passer. Oui, oui. Alors, nouveau partage. C'est vrai que, mais du coup, je vais faire un complément d'explication pendant qu'on prépare la vidéo. En fait, il ne s'agit pas ici de dire, la seule solution, c'est ce qui est proposé, là, la prise en charge proprioceptive, et le reste, ça ne vaut pas la peine de faire. Ce n'est pas ça du tout. Mais Patrick Hersel a dit tout à l'heure, l'idée, c'est de faire les choses dans le bon ordre, effectivement. C'est-à-dire que faire de la rééducation, ça demande de l'énergie, souvent des finances. Un peu désagréable d'en parler, mais ça demande des finances. Et donc, quand on dépense son temps, en tout cas, quand on exige de l'enfant qu'il dépense du temps de loisir aussi à faire de la thérapie, ben, il ne vaut mieux pas se vanter. Voilà ce qu'on lui promet. C'est normalement un résultat très satisfaisant. Et donc, du coup, il vaut mieux prendre tout ce temps, voilà, un peu de diagnostic, de réfléchir. Quelle est la cause de la cause de la cause ? Et puis, commencer au bon étage. Voilà, si je commence à la fin, le résultat sera très maigre. J'aurai vraiment un résultat de surface et probablement que le travail, ce sera juste d'apprendre à l'enfant à compenser un peu plus. Donc voilà, ici, effectivement, cette vidéo que je connais est intéressante de montrer qu'effectivement, nous devons tous travailler en réseau. Être capable de communiquer, voilà, s'il y a ici des professionnels qui m'écoutent, c'est important aussi de pouvoir passer la main à un collègue et de travailler ensemble, d'accord, donc d'échanger et de se répartir la tâche, on va dire, et c'est comme ça qu'on peut avoir un résultat intéressant. Donc voilà, moi, en général, donc, ma façon de travailler, c'est que voilà, je suis neuropsychologue, c'est mon premier métier. Je fais un bilan complet, je détecte qu'il y a un trouble d'apprentissage, en tout cas, c'est comme ça que nous l'appelons, en fait, on met simplement un mot, hein, sur ce qui se passe, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Et donc, ensuite, je présente ce questionnaire de Patrick Hersel. Moi, je préfère encore mieux interroger les gens, parce que là, je vais avoir toutes les subtilités. Je recherche les signes, et puis je me dis, là, effectivement, il y a beaucoup de signes. A priori, l'origine ici de la dyspraxie ou autre, hein, du pseudo-TDAH, ce serait effectivement une dysproprioception. Et voilà, on se lance à ce moment-là dans un bilan proprioceptif cette fois-ci, et on va partir à la recherche des capteurs qui poseraient soucis. Et puis là, ben voilà, je collabore avec les ophtalmos formés, évidemment, qui sont peu nombreux, mais de plus en plus. Je parle pour la Belgique.
On a les posturopodistes, mais attention, tous les podologues ne sont pas spécialisés non plus. Hein, donc, vous avez une liste que vous pouvez trouver, posturologie-posturopodie.be. Là, vous avez des gens intéressants, de qualité. Et puis, ben voilà, on a tous ces exercices-là qui sont disponibles. Mais il faut vraiment essayer de sortir de cette logique de médecine aiguë, traditionnelle. Donc, nous, les neuropsychologues, pensons que tout est neurologique. Le cerveau, voilà, on est comme une tête comme ça qui flotte. Voilà. Ici, on est vraiment dans autre chose. On est dans quelque chose de fonctionnel, de systémique. La cause, la conséquence, donc l'œuf, la poule, qu'est-ce qui cause ça et qu'est-ce qui cause cette même cause. Et donc, de voir un peu les interactions. Et on voit le corps humain comme une structure, quelque chose qui fonctionne en réseau. Et effectivement, comme le disait Patrick Hercia, il est nécessaire à ce moment-là de ne rien laisser au hasard parce qu'un petit grain de sable dans le rouage peut faire beaucoup de dégâts et déclencher tout un tas de signes qu'on vous a déjà présentés. Ça va pour la vidéo ? Alors écoute, je vais essayer. Alors je n'arrive pas à retrouver la deuxième. Elle n'apparaît pas, pourtant je l'avais ouverte, mais je vais en passer une et je pense que peut-être je serai obligé de fermer à la fin et de revenir. Ok. Est-ce que vous voyez la vidéo là qui démarre ou pas ? Oui. Oui. Okay. Donc je vais commenter. Hein. Mm-hmm. Voilà le matériel. Hein. On a, si vous voulez, ce fameux vert qui va transformer l'image d'une lumière en un trait rouge. On appelle ça le test de Maddox. C'était mis au point par Maddox il y a plus de 100 ans. Une petite lumière calibrée, de très petite taille, avec une intensité bien calculée. Et puis, on va mettre sur les oreilles un casque et on va lui distribuer des sons qui sont calibrés en fréquence et puis en intensité, dans une oreille, dans l'autre, dans les deux oreilles. Et donc, il a devant lui une petite lumière, vous l'avez vu, et de chaque côté de la lumière, il a des petits dessins qui vont lui permettre de nous dire s'il y a des endroits où ça manque. Voilà le principe. Un œil va voir le trait rouge, l'œil qui est derrière l'écran. L'autre va voir la lumière et puis les dessins, et le cerveau va mélanger les deux images. Donc l'enfant va voir la lumière sous la forme d'un trait rouge, et puis les dessins et la lumière elle-même. Hein, d'accord ? Et là, on va lui distribuer des sons, et on va lui demander s'il voit toujours l'ensemble des choses. Et s'il y a quelque chose qu'il ne voit pas, il va nous signaler où c'est. Voilà, donc vous voyez, l'enfant signale avec le bruit. Chaque fois que le bruit arrive, il a une perte visuelle. D'accord ? Alors, je vais fermer ça. J'espère que je vais arriver. Alors, attendez. Je vais diminuer ça. Je vais virer ça. Voilà. Je suis encore branché là ou pas ? Je ne sais pas. Donc, je n'arrive pas à fermer ça. Donc, connexion. Hop, hop, hop. Alors, mon problème, c'est que le film est derrière. Voilà. Je vais l'arrêter.
Alors, il faut que je me reconnecte. Alors, attends. Attendons, tac. Là, vous m'entendez ou pas? Oui, vous êtes branché. Ok, je suis branché, mais je n'entends rien. Non, bah, il ne s'est pas mis, alors je ne sais pas pourquoi. Fichier. Non. Base. Non. Film et TV, peut-être. Si. Est-ce que vous voyez le film, là? Oui, je t'entends pas, Anne-Charlotte, mais je pense que tu... Voilà. Voilà, je vais vous montrer deux patients. Alors, c'était filmé ce matin, vous voyez, ce n'est pas vieux. Hein. C'est un dyslexique, un adulte, un grand, qui vient me voir, parce qu'il habite assez loin, et il avait des problèmes avec un œil, et donc on lui, avec la fixation sur son écran, et on lui propose une rééducation orthoptique. Et donc, il vient et me dit, voilà, je fais la rééducation, mais... Je voudrais faire la rééducation, mais je voudrais être sûr que ça ne pose pas de problème. Donc voilà, voilà, vous allez voir, c'est l'illustration qu'il faut toujours réfléchir proprioception. Donc voilà, c'est un jeune de 22 ans. Il a des prismes, mauvaise convergence de l'œil gauche. Donc là, je vais m'arrêter. Là, je lui fais un test, j'évalue le tonus des rotateurs de hanche. Vous voyez, j'emmène les jambes vers l'intérieur, les pieds vers l'intérieur. Normalement, quand vous regardez droit devant vous, si vous avez un tonus qui est correct, une proprioception qui est correcte, c'est symétrique. Vous m'entendez ou pas? Oui? Oui. Donc, le tonus est symétrique. Vous voyez, j'arrive à amener, sans prisme d'ailleurs, il est quasiment bien, j'arrive à amener les deux pieds à peu près au même niveau. D'accord? Il porte sa... Il a une petite asymétrie. Voilà, c'est l'exemple, ça c'est un autre, c'est un enfant de 9 ans qui est traité depuis un peu plus d'un an. Donc là, il n'a pas ses prismes. Hein. Voilà, ça c'est l'illustration. Dans le premier cas, vous voyez, si on prend les yeux d'une manière indépendante, ce jeune a une insuffisance de convergence, on va faire de la rééducation sur la convergence, on a toutes les chances de déséquilibrer le système puisque lorsqu'il converge, vous avez vu que son tonus devient asymétrique. Donc on perturbe complètement la régulation proprioceptive. Par contre, quand il a ses prismes, on n'a pas le même effet. Donc la rééducation doit se faire avec les prismes. Le port des prismes est préalable à l'orthopsie. Dans le deuxième cas, le fait de converger ne l'empêche pas, si vous voulez, d'avoir un tonus symétrique. Donc là, on peut faire de la rééducation.
Donc, dans le premier cas, l'insuffisance de convergence, on doit chercher non pas à faire de la rééducation, mais chercher pourquoi il a une insuffisance de convergence et raisonner en termes global. Le défaut de convergence est lié à un défaut d'information sur la proprioception et les capteurs qui vont avec quelque part. Et donc, il faut chercher. Dans le deuxième cas, on peut faire la rééducation, ça ne pose pas de problème. Donc, l'indication de l'orthopsie chez les enfants 10 doit être posée après examen de la proprioception. Voilà, c'était une illustration, si vous voulez, du fait qu'on ne peut pas, chez un 10, chaque spécialiste ne peut pas faire le mieux possible son travail dans son coin, parce que même fait le mieux possible, il s'expose à avoir un effet iatrogène sans le savoir. Il faut prendre l'individu dans sa globalité et connaître le traitement proprioceptif. Voilà. Et j'ajouterais même ici sur le chat, voilà, il y a apparemment aussi des mamans qui disent bah oui, mais mon enfant, lui, il n'est pas dyslexique, lui, il est plutôt dyspraxique, dysgraphique, etc. Et donc, on ne parle pas de la même chose. Si, c'est-à-dire qu'un défaut proprioceptif, je l'ai dit tout à l'heure, peut se manifester de, en fait, finalement, différentes façons. Clairement, moi, je le comprends un petit peu comme un syndrome, quelque part. Donc, effectivement, donc on a parlé de 52 signes. Effectivement, on imagine le pauvre patient qui présenterait avec une intensité importante les 52 signes. Ça existe, hein. Ça existe. Hein. Ah oui, qui existent, ouais, qui sont voilà, où là, on a du recul, c'est validé. S'il arrive jusqu'à notre porte, bonjour, parce que là, c'est intense, c'est des douleurs, des polyalgies, des douleurs massives, une fatigue anormale, des troubles cognitifs massifs, enfin bon. Donc, effectivement, chez chaque patient, tout ça se manifeste de façon différente. Et donc, quand on dit dans les catégories de signes, les troubles cognitifs, les pseudo-vertiges, les problèmes de perception visio-spatiale, chez certains, ça va être très fort, d'autres très peu. D'autres, ce qui va ressortir le plus, c'est voilà, la maladresse avec la dyspraxie. Chez d'autres, ça va plutôt ressortir des problèmes de lecture, vous savez, les troubles d'audition centrale, hein, voilà, des problèmes de perception de son, hein, enfin, voilà, parce qu'on a beaucoup parlé de vision. Mais voilà, c'est vrai que ça, c'est le prochain point que moi, j'aimerais aborder. C'est vraiment le côté interférence, parce que ben voilà, quand je parle de tout ça, quand je parlais de tout ça au début avec mes collègues logopèdes, enfin orthophonistes, elles me disaient oui, mais ok, quand il s'agit d'un problème entre guillemets visuel, on peut comprendre tout ce que nous dit, ce tu nous dis, ça semble tout à fait logique. Mais qu'en est-il au niveau auditif alors là, hein? Et en fait, effectivement, il y a une explication, parce que l'un des rôles de la proprioception, c'est l'intégration sensorielle. Je ne sais pas, Patrick Kersia, vous voulez bien nous parler un petit peu de tout ça? Oui, alors, si on parle du son, on a eu un très, très beau mémoire qui a été fait par une orthoptiste de Grenoble sur la localisation spatiale du son chez les enfants dyslexiques. Et elle a montré que, exactement comme la localisation visuelle, elle est complètement perturbée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous voulez, c'est que... vouloir séparer, comme l'a fait Aristote, vouloir séparer les sens, ça nous permet de comprendre, ça permet à nos petits cerveaux d'essayer de comprendre comment ça se passe. La réalité, ce n'est pas comme ça. On travaille toujours en multisensorialité avec des échanges entre les sens en permanence. Et le boss, c'est la proprioception. C'est un des boss parce que ça vous permet de savoir où vous localisez les choses. Alors, on va revenir à la bouche. Certains probablement connaissent la théorie motrice du langage. La théorie motrice du langage, qui date des années 75, hein, dit que lorsqu'on apprend des sons, lorsqu'on apprend des mots, le premier degré de compréhension, c'est de dire on stocke des mots. D'ailleurs, je crois avoir lu dans beaucoup de bouquins qu'on crée un lexique. Et ben, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que la théorie motrice du langage ne dit pas ça. La théorie motrice du langage, elle dit on ne stocke pas des mots. On stocke les schémas moteurs qui permettent de prononcer les mots. C'est complètement différent. Et pour stocker un schéma moteur, en fait, il faut stocker un schéma sensorimoteur. Par exemple, en ce moment, vous êtes tous en train, dans votre cerveau, de dire la même chose que moi. Vous stimulez les mêmes circuits sensorimoteurs que les miens pour comprendre ce que je vous dis. C'est-à-dire que
le fait d'intégrer des sons, des concepts auditifs, on va aller jusqu'à phonologique, hein, dépend aussi de la motricité de la bouche et en effet de la sensorialité en même temps. Alors, il y a une étude qui a été faite par Luciano Fadiga. Luciano Fadiga, c'est le co-découvreur des neurones miroirs. On a la chance de bien le connaître. Et d'ailleurs, il nous a donné son protocole et une équipe belge est en train de faire le protocole, une équipe du DU. Il s'est amusé, si vous voulez, à bloquer la langue de sujet et en leur donnant des sons très proches. Eh bien, si on vous bloque la langue, ça veut dire que vous n'êtes plus capable d'utiliser le circuit sensorimoteur qui correspond au son. Eh bien, vous faites des confusions auditives. Donc, vous voyez, séparer la motricité de la bouche, la motricité en général, de l'audition, de la création d'un lexique phonologique, ça n'a pas de sens. C'est un sens pour nos petits cerveaux parce qu'on est limité et qu'on aime bien faire des tranches dans ce qui se passe autour de nous. Mais ça ne marche pas comme ça. Notre cerveau est constamment en train de mélanger et de sélectionner et de prédire ce qui va arriver. Donc, la théorie phonologique, mais ce que l'on fait, c'est complètement dans la théorie phonologique. D'ailleurs, vous voyez, l'acuité proprioceptive, le déficit est corrélé au déficit phonologique. C'est pas le hasard. Hein. Donc, oui, c'est plus facile de se dire on met des prismes, donc on va agir sur les dyslexies avec une composante essentiellement visuelle. Pas du tout. On a fait cette étude. Tous les dyslexiques ont des troubles proprioceptifs. 100%, ce n'est pas 98%. Et qu'ils soient surtout dans une forme phonologique ou visuelle. Voilà ce que j'en pense. Évidemment, je suis vraiment d'accord. Vraiment d'accord avec tout ça. Merci beaucoup. Voilà, il y a de chouettes réactions sur Facebook des gens qui sont passionnés, mais effectivement tout ça bouscule. Hein. Tout ça bouscule parce que, c'est pas la vie de certaines autres personnes qui sont assez médiatisées. Et donc voilà, mais bousculer, c'est très bien. D'ailleurs, je pense que c'est le projet de Sensoribis hein, qui nous parlera ensuite de l'association. Et c'est très bien comme ça, bouger les choses, c'est nécessaire. Il reste encore quelques toutes petites questions, un peu de détails. Les personnes voudraient revenir sur les exercices en fait, de respiration et la position d'endormissement qu'on peut proposer. Et donc, une personne demandait, est-ce qu'on peut quand même proposer d'adopter cette position d'endormissement quand la personne porte un corset ? Alors non, la réponse est non, c'est ingérable avec un corset, évidemment. Mais c'est comme toujours, vous savez, la médecine, on dit vulgairement que c'est le choix entre deux emmerdements. Hein. Donc c'est ça, si le corset est impératif, pas savant. Mais au moins, on peut aussi travailler sa respiration abdominale. D'ailleurs, ce n'est pas seulement ce que l'on fait, hein, c'est ce que font les sophrologues. Les sophrologues le font pour détendre les enfants, etc. Mais nous, c'est un effet secondaire, la détente. C'est vraiment... On est dans la motricité. Hein. Tout à fait. Et de nouveau, toujours à propos de ces exercices-là, une maman dit, effectivement, pour placer sa fille pour l'endormissement, ça marche. Mais effectivement, l'un des signes de problème entre guillemets de sommeil, c'est aussi une agitation. Et donc, l'enfant est agité. Et donc, forcément, elle revient voir quelques temps plus tard et sa fille a changé de position. Que doit-elle faire à ce moment-là ? Est-ce qu'elle doit la replacer dans cette position, quitte à la réveiller ? Comment fait-on ? Alors, on ne connaît pas vraiment le mécanisme, si vous voulez. Mais bon, tout se passe comme si, en fait, à partir du moment où on a une résistance au niveau du pharynx, le cerveau lance un signal d'alarme en disant, voilà, il faut que tu te réveilles, hein, parce que sinon, il y a un danger. Donc, qu'est-ce que fait l'enfant ? Il bouge. Donc, la première chose que change le traitement quand on agit sur le cervace, c'est l'agitation nocturne. Quand on va apprendre à l'enfant à se mettre dans la position d'endormissement, évidemment, après qu'il va bouger. Mais si vous voulez, le cerveau, s'il a de nouveau un rétrécissement, enfin une difficulté respiratoire, il va reprendre cette position. Ça devient, si vous voulez, une situation... qu'intègre le cerveau comme étant une situation salvatrice. Donc, petit à petit, on voit, les parents vous disent, eh ben, maintenant, je vais le voir, et il reste dans la position. Ça, on ne l'obtient que si on insiste beaucoup, mais tranquillement, c'est quelque chose qui doit se faire. Moi, j'insiste toujours beaucoup pour que la maman ou le papa
soit avec l'enfant, et pas seulement lors de l'apprentissage, mais tous les soirs. Parce que psychologiquement, c'est un moment sympa avec un des deux parents, souvent loin des frères et sœurs, ça c'est important. Et si vous voulez, l'enfant se détend, et petit à petit, il apprend à respirer avec l'abdomen, et après, il va se remettre dans la position. Mais il faut persévérer. C'est sûr, hein, c'est sûr. Oui, moi je pense aussi effectivement qu'il faut persévérer, c'est mon côté psy. C'est-à-dire que parmi ces enfants que je vois, il y a des enfants qui ont des angoisses au moment de l'endormissement, qui ont du mal à expliquer. Et donc finalement, quand on met en place voilà, ces exercices et un traitement, ces angoisses bizarrement disparaissent. Alors bizarrement, c'est pas bizarre. C'est-à-dire que c'est les mêmes enfants qui ronflaient, en tout cas on les entendait respirer pas mal, qui restaient assez agités, donc qui étaient dans un sommeil plutôt léger, qui se réveillaient finalement facilement au moindre bruit. Moi, je me demande, c'est une question, c'est un peu l'impression que j'ai, est-ce que finalement ces enfants n'ont pas peur de s'endormir parce qu'il y a une sensation finalement d'étouffement pendant le sommeil et donc c'est désagréable, on va passer une nuit un peu chaotique. On se lève le matin, on est complètement comateux, on a du mal à déjeuner, on a la nausée parfois le matin, parfois avec des maux de tête. Et donc, ça y est, il faut partir faire la dictée à l'école. Donc voilà, voilà. Effectivement, on revient ici, plusieurs personnes réagissent. Tiens, est-ce qu'il y a un lien avec des choses émotionnelles? De nouveau, l'œuf, la poule. Effectivement, tout ceci peut, à nouveau, mais je l'avais déjà dit, engendrer des choses au niveau émotionnel et donner des angoisses. Mais voilà, je ne connais pas, Patrick Hersel, votre expérience là-dessus. Mais voilà, moi, en tant que psychologue, évidemment, je pose la question et je retrouve ça de façon très régulière. En fait. Et on ne peut pas, on peut jamais séparer l'aspect psychologique du reste, c'est impossible. Hein. Mm-hmm. C'est connu chez les enfants présentant des vraies apnées. Les difficultés d'endormissement sont interprétées comme une peur du sommeil, en particulier des terreurs nocturnes. Il y a aussi des abus de la psychologie. Par exemple, beaucoup d'enfants, dans les signes de Sarvas, ont un bruxisme, grincent des dents la nuit. Alors, ça, on considère que celui qui grince des dents, c'est psychologique. Pas du tout, pas du tout. Il y a peut-être une cause psychologique qui se rajoute, mais le point de départ, c'est que lorsque les dilatateurs du pharynx ont tendance à avoir une hypotonie, la première réaction du cerveau, ça va être de stimuler le trijumeau pour que la moitié des muscles dilatateurs du pharynx se remettent en fonction et dilatent le pharynx. Or, quand vous stimulez le trijumeau, vous stimulez aussi les massétaires, donc vous grincez des dents. D'accord ? Donc, tout ça, c'est la psychologie, oui, mais il ne faut pas du tout oublier le côté organique. Hein. Il se passe des choses qui sont d'abord organiques. Mais la poule et l'œuf... Mais voilà, mais finalement, on en revient encore à la même chose, de dire faisons les choses dans l'ordre. Et mettons parfois un peu l'ego de côté, hein, ça c'est... Mais oui. Et demandons-nous, voilà, la cause, la conséquence, est-ce que c'est le moment pour que j'intervienne ou est-ce que non? Peut-être plus tard. Je vais d'abord laisser la place à mon collègue parce que c'est important de travailler en amont pour avoir un chouette résultat et économiser l'énergie, peut-être parfois les finances de tout le monde. Bien. Alors, à propos de ça, il y a des gens qui nous parlent effectivement d'une porter une gouttière pour dormir. C'est vrai que voilà, c'est quelque chose aussi qui est proposé. Entre parenthèses, c'est vrai qu'en parlant de finances, hein, il faut aussi se méfier puisque il y a beaucoup de personnes qui proposent des traitements en posturologie avec les guillemets, hein, bien sûr. Et donc, on nous vend tout un tas de matériel. et donc, voilà, un avis sur les gouttières. Alors là, je vais encore me faire des amis. Hein. C'est pas sympa. Pardon. Alors, déjà, si vous voulez, enfin, si tu veux, si vous voulez, il y a plusieurs sortes de gouttières. Les gouttières un peu standard, qui sont molles. Bon, c'est assez facile parce qu'en général, le gamin ne la garde pas pendant la nuit. Donc, les parents s'aperçoivent très vite que ça ne fonctionne pas parce que lorsque l'enfant a des troubles de déglutition, etc., ben, il évacue la plupart du temps la gouttière. Donc, les résultats sont souvent limités et souvent, la gouttière arrive au cabinet dans la boîte. Après, il y a les échecs du traitement qui font qu'on n'arrive pas à régler le bruxisme. Et donc, c'est délétère pour les articulations temporomandibulaires. Donc, il vaut mieux manger sa gouttière que casser ses dents. Voilà, donc au moins ça sert à ça. Hein. Mais donc voilà, je ne peux rien dire de plus.
Voilà, mais de nouveau, méfiez-vous, voilà, travaillez peut-être avec voilà, des choses d'association, avec un bouche à oreille, mais voilà, comme partout, évidemment, il y a des gens qui travaillent bien avec voilà, une conscience et d'autres, effectivement, qui pourraient venir profiter en fait, de la situation. En général, ça se sait assez vite. Hein. Mais voilà, et ça, c'est dans tous les métiers, hein, bien sûr, dans le domaine médical. Ceci dit, hein, Charlotte, il y a en particulier des adultes qui portent des gouttières et qui sont très contents. Hein. Oui. Donc, bien sûr. Voilà, il ne faut pas jeter le bébé dans le bain. C'est plus complexe. Chaque patient, c'est ça la médecine, chaque patient est particulier. On a des outils, il faut les essayer, il faut raisonner pour être le plus simple possible, le moins coûteux possible, etc. Mais il n'y a pas une solution miracle. D'ailleurs, ce qu'on propose, ce n'est surtout pas une solution miracle. Hein. C'est quelquefois une galère, hein. Aussi bien pour le praticien. Ce n'est pas simple. C'est pas simple, effectivement, selon les cas, la situation. Et donc, voilà, c'est pour ça aussi qu'on ne travaille pas seul. Bien. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Bon. Alors, oui, on n'a pas encore parlé, effectivement, du syndrome d'alerte dans l'os. Donc finalement, brièvement, est-ce qu'on pourra en parler de quoi s'agit-il? Est-ce que ça a un lien avec tout ce qui s'est dit aujourd'hui? Évidemment, oui. C'est une question que tu me poses. Oui. Oui, le syndrome d'alerte dans l'os, hein, c'est en fait une maladie entre guillemets du collagène qui est génétique, avec des expressions qui sont extrêmement variables, depuis quelqu'un qui va avoir une légère hyperlaxité, jusqu'à celui qui est tellement hyperlaxe qu'il a tellement de problèmes musculaires qu'il est dans un fauteuil roulant, quoi. Donc, il y a toutes les possibilités avec le syndrome d'alerte dans l'os. Alors, je dois dire que moi, je n'ai pas une grosse expérience, mais ce qui est sûr, c'est que ceux que j'ai vus ont tous des troubles proprioceptifs énormes. C'est une partie du tableau clinique, mais pas d'une manière exclusive. Il y a plein d'autres symptômes. Par exemple, c'est sûr que les anévrismes de l'aorte, c'est pas proprioceptif, c'est lié au collagène, à la fragilité du collagène. Donc, ce sont des patients qui sont difficiles parce que souvent, ils ont une errance diagnostique qui est très longue, de moins en moins maintenant, mais enfin, elle existe. Le diagnostic est clinique, ce qui suppose qu'il y a beaucoup de syndromes d'alerte dans l'os qui sont des SDP, qui ne sont pas des vrais alerte dans l'os. Ça, on en voit. Il faut se méfier. Il y a un cadre maintenant. Alors, comme toujours, quand il y a des références, il y a un cadre. Donc, il y a 90% des gens qui vont rentrer dans le cadre, et il y a 10% d'errance. Et ces gens-là, évidemment, sont abandonnés parce qu'on ne reconnaît pas l'alerte dans l'os et on leur dit qu'il y a une simulation. Donc, c'est compliqué, on commence à en prendre soin. Mais c'est vrai que l'alerte dans l'os bénéficie du même traitement. Beaucoup plus difficile et très difficile au niveau de la bouche. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup les alphes. Les alphes sont en règle mal supportées parce qu'ils ont une fragilité gingivale et lingual qui fait que, pourtant, ce n'est pas grand-chose, mais il les supporte mal. Mais le principe du traitement est le même. Les semelles sont souvent mixtes, mécaniques et proprioceptives, si vous voulez, avec des petits éléments. Donc, c'est plus difficile à traiter. Voilà, mais bon, je crois que vous avez une équipe en Belgique qui s'occupe bien de l'alerte dans l'os, du diagnostic, de la prise en charge. Enfin, vous êtes très en avance, c'est un peu comme l'autisme, hein, vous êtes très en avance. Par rapport à la France, mais bon, nous, il nous reste les vins de Bourgogne quand même, mais la Belgique est très en avance dans ce domaine-là, c'est sûr. Ici, on nous demande si on pouvait un petit peu développer le côté, les liens entre la dysproprioception et les vertiges ou pseudo-vertiges chez l'adulte. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec une forte myopie? Alors, avec la forte myopie, je dirais non, a priori. Non, ça n'a pas été étudié, en tout cas, pas à ma connaissance. Et pseudo-vertige, oui, puisque, si vous voulez, les gens qui travaillaient, enfin, les Français qui travaillaient sur la proprioception, sur le système postural au départ, travaillaient sur les pseudo-vertiges. Alors, les pseudo-vertiges sont les vertiges qui n'ont pas d'origine organique. Donc, c'est évident qu'il faut d'abord éliminer tout ce qui est organique au niveau de l'oreille, cerveau, etc. Oui, si vous avez des informations spatiales, si vous avez un conflit, par exemple, entre les informations cervicales, les informations de l'oreille interne, les informations visuelles, vous allez avoir, non pas des vertiges, mais une sensation d'instabilité, la sensation de ne pas être en adéquation avec tout ce qu'il y a autour de vous.
Et là aussi, il faut revenir à de la médecine, il faut revenir au patient, il faut faire l'interrogatoire. Un pseudo-vertige d'origine SDP, il a un interrogatoire positif dans les trois domaines. S'il n'y a pas des signes dans les trois domaines du triangle, c'est autre chose. Mais si tout le bilan organique est négatif et qu'il y a des signes dans les trois domaines, plus ceux de la nuit, hein, vous pouvez être quasiment sûr que c'est un problème de SDP. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez tester, hein, et voir. Revenir au sommeil, dernier point que je voulais dire, mais c'est important. Dans l'enquête qu'on a faite avec les 103 dyslexiques, là, on avait posé des questions aux parents aussi. L'idée, si vous voulez, c'était de savoir, bon, on sait qu'il y a un côté génétique, mais d'avoir des précisions. Et on a eu l'idée de poser la question aux parents sur les troubles du sommeil. La moyenne d'âge des enfants, c'était enfin, des bons dyslexiques bien caricaturaux, entre 9 et 12 ans. La moyenne d'âge des parents, c'est 2 ans et des poussières. Dans cette frange de population, la moyenne de personnes équipées pour apnée du sommeil est inférieure à 2%, reconnu. Chez les parents dyslexiques, dans 33% des couples des parents, il y en avait un des deux qui était équipé avec une pression positive. Donc, ça aussi, c'est probablement une voie de recherche énorme pour l'avenir. Un certain nombre d'apnées, vous savez que ça a beaucoup de conséquences sociales et pour la santé, diabète, hypertension artérielle, etc., sont liées à des troubles proprioceptifs. Et on peut penser que le SARVAS peut évoluer vers l'apnée. Pensez toujours, quand vous avez devant vous un dyslexique, à poser la question aux parents du sommeil. Et vous serez extrêmement surpris en voyant le nombre de couples qui vous diront, bah oui, moi je fais des apnées, j'ai un appareil. Des jeunes, hein, 40 ans. Voilà, je termine avec le sommeil, mais c'est vraiment un domaine qui est tellement énorme, qui est tellement énorme qu'on ne peut pas. Il faut vraiment se pencher là-dessus. Oui, effectivement, c'est vraiment ma grande préoccupation du moment et c'est vrai, c'est quelque chose que j'observe. Enfin voilà, le papa ou la maman utilise une CPAP et voilà, ils sont tout jeunes, il n'y a pas d'obésité, il n'y a pas de facteur de risque évident et pourtant ils ont quand même des soucis. Bien. Alors, toute dernière question peut-être à propos des prismes. D'abord, ici sur Facebook, on me dit, est-ce qu'on est obligé de déformer un petit peu la monture, des lunettes, parce que voilà, si c'est le cas, alors mon enfant ne voudra pas les porter. Donc voilà. Et une autre personne nous dit, est-ce que le port de prisme peut diminuer les vertiges? Bah, j'ai envie déjà de répondre, bah, oui, a priori, c'est le but finalement de tout ce traitement, c'est de réduire cette série de signes dont on a déjà parlé plusieurs fois. Donc c'est vraiment ça l'idée, de travailler au niveau sensoriel. Et donc, normalement, ça devrait bien réduire les vertiges qui peuvent aller même jusqu'à de l'agoraphobie. Hein. De nouveau, on peut comprendre ça. On peut Même on se chose. dire, et on va se retrouver en thérapie cognitivo-comportementale, alors que finalement, c'est pas psychologique, c'est autre chose. Mais on en a déjà parlé, donc là, je me suis permise de répondre. Ici, ben voilà, par rapport à donc aux lunettes, doit-on vraiment les déformer? C'est indispensable, parce que vraiment, ça pose problème à certains enfants qui refuseraient de porter ça. Je dirais que c'est un peu comme si vous étiez dans une voiture à 100 à l'heure, vous allez dans un ravin, vers un ravin, et vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma lampe de poche, quoi? De poche. C'est à peu près le même niveau. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, je suis sûr que les parents comprennent, la dyslexie peut broyer la vie d'un adulte, hein, vraiment. Vous savez que c'est une cause de syndrome dépressif de l'adolescent qui est énorme. Nous, quand je n'en fais plus maintenant, mais on a beaucoup demandé aux ados, quand ils venaient, de nous faire une lettre justifiant leur consultation. D'accord? Parce qu'on a eu trop d'ados qui venaient et ensuite ne mettaient pas leurs lunettes, leurs semelles, etc. On était très surpris par le nombre d'ados qui racontaient qu'ils avaient fait des tentatives de suicide parce qu'ils ont une image d'eux-mêmes extrêmement négative. Donc la dyslexie, la dyspraxie, ce n'est pas de la rigolade. Donc quand en face de ça, on vous dit, ah oui, mais moi, je ne veux pas mettre des lunettes qui sont galbées, il y a un problème. Ce problème, ce n'est pas le praticien qui peut le régler. Parce que oui, il faut que les lunettes soient galbées.
Oui, il faut qu'elles acceptent un certain nombre de contraintes. Et je vais vous dire, les contraintes, avec l'esthétique, on arrive toujours à les gérer, hein. Mais il faut vraiment qu'il y ait un travail entre les enfants et les parents, qui soit préparatoire, pour qu'on n'ait pas de soucis à ce niveau-là. Si on a des soucis à ce niveau-là, c'est que l'enfant n'est pas prêt. Nous, par exemple, au cabinet, on ne prend jamais un patient en consultation sur une simple demande de rendez-vous. Le patient doit aller sur le site, comprendre ce qu'il attend, accepter les contraintes, et ensuite, on lui donne le rendez-vous après avoir discuté avec lui. Vous voyez, il faut qu'il y ait un filtrage. On ne peut pas faire autrement. C'est une médecine qui est comme ça. Si on se contente, nous, de prescrire les prismes, les semelles, etc., qu'on ne s'occupe pas de ce qui est après, on gâche notre temps, on gâche le temps et l'argent des patients. Non, les lunettes, oui, doivent être galbées, oui, elles doivent être déformées, c'est vraiment essentiel. J'ai écrit un bouquin avec mon collègue Alfredo Marino où on devait avoir, on s'était donné 10 pages pour expliquer la dyslexie. On ne savait pas comment faire jusqu'au jour où j'ai une dame qui est venue, qui m'a. Je lui ai dit, je ne prends pas les adultes. Et finalement, je l'ai pris parce qu'elle m'a fait une lettre où elle m'expliquait sa vie, où elle m'expliquait ses tentatives de suicide, où elle essayait de s'étouffer le soir avant de partir à l'internat, les dimanches soirs. Vous voyez, c'était terrible. Et donc, on l'a traitée, elle va très bien. Et je lui ai demandé de nous faire une lettre pour nous expliquer ce qui s'était passé après. Qu'est-ce qui est sorti en premier? Le réglage des lunettes. Ensuite, L'adulte nous a dit, dès que les lunettes sont un tout petit peu déréglées, le galbe, la stabilité sur le nez, tout recommence. il faut. Et le travail de l'opticien, l'acceptation du type de lunettes, c'est essentiel. C'est essentiel. Comme de mettre les semelles à la maison dans les chaussons. Si les parents vous disent, ben non, mais on n'arrive pas à lui faire mettre les semelles dans les chaussons à la maison, il y a un problème, hein. Il y a une prise de conscience qui n'a pas été faite de la gravité du trouble. On peut pas. Là, ce n'est pas le travail du praticien. C'est pour ça que dans l'équilibre, il y a les parents au milieu, hein. Et ce n'est pas un cadeau qu'on leur fait, hein. Vraiment, hein. Mais accepter ça, hein. Enfin, je pense que Corinne va prendre la parole et qu'elle est tout à fait. Elle est parent de. Voilà, elle est parent de 10, donc elle pourra vous raconter tout ça. Ce n'est pas une partie de plaisir, le traitement, hein. Ce n'est pas un miracle. Si vous avez une baguette magique, c'est vraiment pas vers le traitement proprioceptif qu'il faut aller. Mais qu'est-ce qu'on dirait de l'orthopsie, de l'ergothérapie? C'est exactement pareil, tout ça. On ne peut pas travailler seul, voilà, on a besoin des patients. Et ça sera ma conclusion, c'est la médecine de demain. La place du traitement proprioceptif par rapport à tout ce qui est dit ailleurs, ce n'est qu'une question de temps. Voilà, merci encore à Charlotte, Merci beaucoup. à Corinne, et sûrement Voilà. des choses à dire. Oui, voilà. Donc maintenant, effectivement, on voit que c'est intéressant de parler de Sensoridis parce que voilà, il y avait beaucoup de parents qui ont envie de poser des questions à d'autres parents. Donc je vais laisser effectivement Corinne nous parler de sa super association qui fait un boulot d'information absolument formidable. Je traîne souvent avec bonheur sur cette page Facebook et sur ce site internet qui est très riche d'informations. Voilà Corinne, bonsoir. Bonsoir. Merci à Anne-Charlotte de m'avoir invitée à présenter Sensoridis et au docteur Kersia de me permettre de me donner la parole après son intervention. Bonsoir. Vous pourriez pas être d'accord. Je vais vous partager. Vous allez me dire si ça marche. Peut-être Patrick doit arrêter Fermer de. peut-être. Voilà. Voilà, parfait, ça fonctionne. Voilà, alors est-ce que moi j'arrive à mettre le diapo? Voilà, on vient d'arriver. Donc je suis donc présidente de Sensoridis, association française de patients souffrant d'une dysfonction proprioceptive. Donc maman d'un enfant dysproprioceptive et dysproprioceptive moi-même, j'ai des lunettes à prisme. Ce qu'il faut d'abord bien comprendre à propos de Sensoridis, c'est que c'est une association de patients pour les patients. Elle ne peut être dirigée, elle n'est dirigée, ne peut être dirigée que par des familles ou des patients, ce qui garantit qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts et notre seul souci est l'intérêt des patients. Et puis aussi, Sensoridis veut s'inscrire justement dans cette médecine du 21e siècle, où nous pensons que le temps du paternalisme médical est révolu, que le patient aujourd'hui est éduqué à un petit peu de connaissances scientifiques et qu'il doit être partenaire de son traitement. C'est ainsi que ça fonctionnera mieux.
Et donc, on s'inscrit dans l'évidence base medicine telle qu'elle avait été écrite par les Canadiens il y a 20 ans, mais qui semble un peu oubliée, c'est-à-dire un trépied où il y a d'un côté le chercheur, bien évidemment, de l'autre l'expérience du clinicien, qui est indispensable, mais aussi l'avis du patient, parce que qui mieux que le patient peut dire ce qui lui fait du bien. Donc, Sensory 10, ça peut être résumé en trois verbes. Ça, c'est quelqu'un de mon groupe Facebook qui un jour me les a donnés. J'ai trouvé ça formidable et je les ai gardés et je les ai mis sur mon site. Voilà. Sensory 10, c'est trois verbes d'action. Informer, sur la dysproprioception, bien sûr, on en reparlera. Questionner tous ceux qui sont prêts à remettre en question leur certitude et à s'ouvrir à des hypothèses nouvelles et à une voie de recherche très innovante. Et puis enfin, déranger tous ceux qui depuis 20 ans freinent de tant qu'ils peuvent la reconnaissance du traitement proprioceptif et qui s'imaginent qu'il suffit d'ignorer les patients pour qu'ils cessent d'exister. Eh bien non, voilà, Sensory 10 est là pour leur dire, ben non, nous les patients, on existe. Et je dois dire que voilà, cet aspect dérangé n'est pas pour me déplaire. Alors, ce n'est pas facile tous les jours. Hein. Ceux qui me suivent sur Facebook depuis longtemps savent que ça m'a valu quelques hausses de tension, quelques coups de sang, parfois des nuits un peu agitées. Mais voilà, c'est plaisant d'être aussi le petit grain de sable qui dérange tout ce petit monde. Donc, avant de vous parler de Sensory 10, je vais revenir un petit peu sur son histoire, parce qu'en fait, cette association n'est pas née de rien, du hasard. En fait, l'histoire a commencé en 2012, quand j'ai créé ce blog que ceux qui fréquentent Internet connaissent. Donc, mon fils Marc avait 9 ans et à l'époque, nous étions en pleine errance diagnostique. Personne ne comprenait pourquoi il avait tant de mal à l'école. Moi, j'avais compris qu'il y avait des difficultés et qu'il avait besoin d'apprendre autrement. Et donc, j'étais allée sur Internet et j'avais trouvé sur des sites de parents, d'enseignants, beaucoup d'idées pour l'aider. Et j'avais créé moi-même mes supports pour l'aider. Je m'étais dit, comme j'avais apprécié de trouver le partage des autres, que j'allais créer un blog pour partager mes propres supports. Et puis, comme nous étions en pleine galère diagnostique, on venait de terminer un parcours diagnostique avec le réseau Pluradis, qui est le réseau 10 en Bourgogne, je m'étais dit que j'allais aussi profiter de ce blog pour témoigner de notre parcours diagnostique, pour si ça pouvait en aider d'autres. Et donc, à la fin de ce parcours diagnostique de Pluradis, on avait entamé différentes rééducations, donc on avait parlé de troubles neurovisuels. Et puis, au bout d'un an de tous les traitements, et ça faisait 2 ans d'orthopsie, puisqu'on avait commencé l'orthopsie un an avant, Marc n'avait pas du tout évolué. Il y avait toujours tant de difficultés et son problème de convergence des yeux ne se résolvait pas avec l'orthopsie, puisqu'il revenait. Et à ce moment-là, plusieurs des rééducateurs de Marc nous ont parlé du traitement proprioceptif et du docteur Kersia, qui n'était pas très loin, puisque j'habite en Bourgogne. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai fait comme à mon habitude. Je suis allée voir un petit peu sur Internet ce qui se disait sur ce traitement proprioceptif. Et voilà, j'ai lu beaucoup d'horreurs. J'étais très refroidie. Et puis, quand j'allais sur des forums de discussion qu'il y avait à l'époque, c'était des véritables foires d'empoigne entre ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Donc, c'était très difficile de se faire un avis. Mais il se trouve que je connaissais le traitement proprioceptif dans la vie réelle, puisque dans la classe de mon fils, il y avait un grand dyslexique qui était suivi depuis 2 ans. Et que j'avais vu beaucoup évoluer. Donc, sa maman était portugaise, et elle connaissait au Portugal, visiblement, c'est bien connu. Donc, elle l'avait fait suivre ici, pas par le docteur Kersia, mais elle était allée faire vérifier au Portugal que tout était bien. Donc, voilà pour la petite histoire. Et donc, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, puisque ça avait marché sur Thiago, Marc n'était pas dyslexique, mais on s'est dit qu'on n'avait pas grand-chose à perdre d'essayer. Et donc, du coup, quand j'ai commencé ce traitement, je me suis dit que, puisque sur le net, on ne trouvait rien d'intéressant, j'allais tenir un journal, puis écrire au jour le jour, sans a priori, ce qui se passait. Donc, je pensais naïvement qu'au bout d'un an, j'allais être fixée à savoir si ce traitement allait sortir mon fils d'affaires ou pas. Et en fait, ça a été beaucoup plus lent. Hein. Je l'ai tenu pendant 6 ans et demi. Marc a terminé avec les prismes l'année dernière. Et donc, il a très, très bien évolué. Donc, aujourd'hui, il est en terminale et tout va bien.
Quand il était petit, on avait toujours peur des catastrophes qui lui arrivaient. Il lui arrivait toujours un tas de choses. Il tombait, il se faisait mal. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est terminé tout ça. Tout va bien. Et donc, en 2015, j'étais donc persuadée de l'intérêt de ce traitement. C'est là que j'ai commencé à utiliser mon blog pour en parler. Puis, j'ai créé une page Facebook sur les conseils de mon fils qui, effectivement, a permis de propulser mon blog, hein, qui a doublé tout de suite en 2 mois le nombre de visiteurs. Et puis, j'ai découvert les groupes de discussion sur Facebook. Alors, j'avais trouvé ça très intéressant parce que par l'entraide qu'il pouvait y avoir quand plusieurs personnes qui rencontrent les mêmes difficultés échangent et s'entraident. Mais j'avais aussi vu que sur ces groupes, les parents qui arrivaient en parlant du traitement proprioceptif, très naïve en disant, voilà, j'ai commencé, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des retours d'expérience? Et alors là, c'était parfois, elle se faisait vraiment très mal recevoir. Il y avait des gens très, très agressifs, hein, qui descendaient tout ça. Et donc, je me suis dit que j'allais créer mon propre groupe de discussion sur Facebook pour leur permettre d'en parler de manière plus sereine. Donc, on peut dire qu'à ce moment-là, tout était en place pour la naissance d'une association, mais j'étais toute seule. Il me manquait juste la rencontre. Et cette rencontre a eu lieu en 2018, où j'ai donc rencontré 2 mamans qui m'ont dit qu'elles étaient persuadées que le traitement proprioceptif avait changé les perspectives d'avenir de leurs enfants, et donc qui étaient partantes pour créer cette association. Et donc, celle-ci est née, ça a été publié au Journal officiel le 10 novembre 2018, et nous étions donc 4 fondateurs. Alors, pour qui Sensoridis? Bien évidemment, pour toutes les personnes qui se sentent concernées par la dysfonction proprioceptive, patients, familles, accompagnants, etc. Mais aussi les professionnels de santé qui le proposent peuvent nous rejoindre. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, afin d'éviter tout conflit d'intérêts et pour garantir la liberté de choix des membres en ce qui concerne les soins, ils ne peuvent pas accéder aux organes dirigeants. Et ça, c'est vraiment important pour nous. L'objet de Sensoridis, hein, il y a 3 grands axes. Donc, l'information, hein, contribuée par tous les moyens de diffusion et de communication à l'information sur la dysfonction proprioceptive auprès des familles, professionnels de santé, enseignants, administration, etc. Apporter écoute et soutien aux patients et familles touchées par une dysfonction proprioceptive et leur permettre de partager leur expérience. Et puis, soutenir dans la recherche, dans la mesure de nos possibilités, voilà, pour les objets de Sensoridis. Donc, Sensoridis, en fin d'année 2020, en fin d'année dernière, donc au bout donc de 2 ans d'existence, comptait 158 adhérents répartis dans toute la France, et contre 84 en 2019. Donc, voilà, elle a déjà bien progressé en 2 ans. Donc, il y avait 5 personnes dans le bureau, 8 administrateurs, 13 bénévoles, un numéro de téléphone où je réponds le lundi, et maintenant plus que le lundi, parce que sinon je passerai ma vie à répondre au téléphone. Et puis, la nouveauté de cette année, c'est qu'en fait, nous avons interrogé l'administration fiscale et nous sommes bien reconnus d'intérêt général et nous pouvons maintenant délivrer des reçus fiscaux sur les dons et aussi les cotisations. Sensoridis, comme je vous l'ai dit, est né sur le net et c'est encore une association qui est essentiellement dématérialisée, mais ce qui a présenté des avantages dans la crise du Covid, c'est que ça nous a peu impacté. Donc, Sensoridis, c'est un site internet que j'ai créé, quand l'association est née, en novembre 2018. Donc là, j'ai mis en bleu où on en était en début d'année dernière, en début 2020, et en noir où on en est aujourd'hui. Donc, on voit que c'est un site qui connaît une belle progression, puisqu'on a pratiquement triplé le nombre de visiteurs et d'articles lus. Donc, le fameux blog dont je vous ai parlé précédemment a été repris par l'association Sensoridis parce qu'il rentrait tout à fait dans l'objet de l'association. Donc, c'est Sensoridis maintenant qu'il finance. Et pareil, hein, donc, il a un peu plus de 8 ans. Donc, l'année dernière, on avait 2 millions de visiteurs et cette année, 2 555 000 visiteurs en début d'année. Et il a bien bénéficié du confinement, visiblement. À cette époque, il y a beaucoup de gens qui sont venus le visiter. J'avais beaucoup, beaucoup de visites pendant cette période l'année dernière. Et donc, bah, pareil, le nombre de pages lues a beaucoup augmenté. Enfin, voilà, c'est vraiment un blog qui rencontre beaucoup de succès. Une page Facebook. Alors, elle progresse gentiment, hein, pas violemment. Sur Facebook, il y a des pages qui progressent beaucoup mieux, mais vous connaissez le mode de fonctionnement de Facebook, hein. C'est les likes, c'est les partages
Et le monde des 10 ne partage pas beaucoup. Je ne suis pas spécialement appréciée et partagée. Mais ce n'est pas grave, on avance quand même. Et enfin, notre groupe de discussion privée qui compte 950 membres l'année dernière et donc, j'avais créé en 2015, donc il a 5 ans. Et là, près de 1500 membres et il augmente. Alors lui, par contre, j'ai des demandes tous les jours, beaucoup, beaucoup, de plus en plus. Mais voilà, on arrive à... Il est devenu pour moi trop gros, moins convivial. Il demande beaucoup de modération, de faire la police et... J'estime que j'ai plus envie de perdre autant de temps à faire la police. Donc, on est en train de réfléchir à faire évoluer tout ça vers d'autres choses. On verra ça, on va en assemblée générale. Donc, Sensoridis, l'année dernière, eh ben, on s'est lancé dans la vidéo. Donc, je suis donc allée interviewer le docteur Kersia en lui posant une vingtaine de questions que se posent nos enfants, auxquelles il a répondu. On a fait une vingtaine de petites vidéos qui sont à disposition des adhérents. On a fait aussi une petite vidéo de présentation de l'association avec la maison des associations de la ville de Dijon. Et donc, vidéo qui va se retrouver sur le site de la ville de Dijon. Et puis, je me suis lancée dans une petite série de 3 vidéos pour expliquer la proprioception, la dysproprioception. Et puis, il faut que je prenne mon courage à deux mains pour faire la 3e sur le traitement. Je n'ai pas encore trouvé le temps ni la motivation de le faire. Et voilà, donc ces petites vidéos sont en ligne, sont pour l'instant à la disposition de tous. On verra pour la suite. Donc, comme je vous l'ai dit, Sensoridis, c'est une association dématérialisée. Donc, c'est une association française, mais la magie d'Internet et sa puissance font qu'on rayonne bien au-delà de la France. Hein. Donc, alors là, par contre, je ne vois pas mon... J'ai les... Ah voilà, je l'ai pris, ça y est, je l'ai vu. Donc, elle est principalement, bon, bien sûr, dans les pays francophones comme la France, mais en deuxième, la Belgique, le Canada, et puis les États-Unis qui, quand même, nous visitent pas mal. Et puis, un petit pays, l'Uruguay, qui m'a beaucoup amusée à un moment donné, parce que j'avais énormément de visites de ce pays-là, et les gens venaient d'une fac de médecine, et voilà, c'était amusant de voir que je pouvais porter aussi loin que ça. En 2020, voilà, on voulait passer justement, sortir un petit peu du monde virtuel et rentrer dans la vie réelle. Et on a souhaité commencer à proposer des choses ici sur place à Dijon. On voulait lancer des cafés sensori-discussion, des cafés rencontres entre familles, organiser une conférence avec le docteur Virlet. Et puis, le Covid étant là, on a quand même pu faire le premier café, mais on a dû annuler le deuxième, annuler la conférence. Donc, pour l'instant, on remet en stand-by tout ce qui est au niveau local. Et on verra plus tard quand les circonstances seront meilleures. Mais ça ne nous empêche pas, comme je vous l'ai dit, d'être très, très présents sur Internet et du coup, d'évoluer quand même assez rapidement. Donc, au courant de l'année 2020, on a à ce jour 8 correspondants locaux hein, dans la France. Donc, je les ai mis en violette. Donc, il nous manque encore 4 régions pas représentées. Donc, ma foi, quand il y aura des volontaires. Et puis, j'ai eu 2 volontaires ailleurs qu'en France, hein, puisque j'en ai une en Allemagne qui est là, d'ailleurs, Astrid. Et puis, une en Belgique. Donc, en Allemagne, il n'y a pas de praticiens. Mais elle peut renseigner tous les parents qui seraient motivés pour venir jusqu'en France. Et puis en Belgique, eh ben, on est ici Anne-Charlotte est belge. Donc voilà, en Belgique, il y a aussi du monde qui propose, qui est intéressé. Donc j'ai une correspondante en Belgique. Et voilà. Même si on est français, on répond à la demande quand elle se propose, enfin, quand il y a des gens qui se proposent. Et puis, donc pour finir, voilà, Sensoridis en ce début d'année, parce qu'on remet le compteur à zéro tous les ans. Hein, donc, voilà, là, aujourd'hui, on en était à 108 adhérents. Donc, c'est bien. Hein, c'est voilà, à peu près un peu plus de la moitié de réadhérents. Donc, comme je vous l'ai dit, donc notre principal but qui était l'information, je crois qu'il est atteint parce qu'aujourd'hui, on a vu la progression des sites, de la page, du. Moi, j'ai des coups de téléphone en permanence, je réponds aux mails en permanence. Voilà, on est arrivé à un stade où, en fait, on ne va plus pouvoir répondre à tout le monde. Et donc, on va évoluer vers une manière de privilégier les gens qui vont nous soutenir et adhérer, parce que maintenant, il nous faut aussi faire progresser l'association. Il faut qu'elle devienne plus importante en nombre de membres pour qu'on
qu'on nous écoute et qu'on nous prenne, en sérieux. Voilà, donc j'ai fini de vous présenter Sensoridis et je vous remercie de votre attention. Merci Corinne, mais je pense que ce serait bien de savoir comment peut-on faire pour adhérer alors, parce que bah oui, moi je pense aussi que c'est quelque chose d'important à faire. Il faut aller sur le site de Sensoridis et puis il y a un onglet adhérer. Sur le côté aussi, j'ai mis un petit truc, enfin, c'est facile. Une fois qu'on est sur le site, on trouve, si on est motivé pour adhérer, on trouve. Et puis ça, voilà, il y a sur Hello Asso, on marche avec Hello Asso qui permet le paiement en ligne et qui est très pratique pour moi parce que tout est saisi et ça nous enlève quand même une épine du pied quand tout arrive déjà saisi. Et puis sinon, pour les gens qui ne veulent pas payer en ligne, il y a aussi un petit formulaire papier, tout ça. Mais j'avoue que je préfère que les gens passent par Hello Asso parce que ça me donne beaucoup moins de travail à moi. Bien sûr. Ben voilà, sinon pour trouver de l'information, ben il y a aussi le site évidemment du docteur Kersia. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, hein, dyslexie.fr, avec tout un tas de publications hyper intéressantes. Voilà, pour les professionnels, moi, je vous conseille vraiment de lire ce livre du docteur Kersia, Œil et Bouche, que voilà, je distribue limite mon cadeau de nouvel an cette année à mes collègues neurologues. C'était votre livre, enfin ton livre Patrick, très très bien écrit, c'est facile à lire, hein. Donc voilà, la couverture est un peu impressionnante, hein. C'est très sérieux, à l'intérieur on se laisse emporter. Bravo pour la rédaction, la clarté des propos. Et puis là, il y a un nouveau livre qui vient de sortir, j'ai eu ce petit mail d'information. Patrick, de quel livre on parle? Je n'ai pas le titre en tête parce que c'est tout frais. Alors, le livre s'appelle « Le bonheur retrouvé d'une enfant dyslexique ». C'est en fait un livre qui a été écrit pour… chaque chapitre est divisé en deux. Il y a une partie qui est écrite pour celui qui ne connaît rien, la proprioception. Et puis, il y a une partie qui est écrite qui s'appelle « Pour les curieux », pour les gens qui veulent aller plus loin. Et à la fin du livre, le livre fait 450 pages, je crois, à la fin du livre, il y a toutes nos publications, tout ce qu'on a publié. Et c'est l'histoire, en fait, d'une enfant que j'ai gardée parce qu'elle est tout à fait caractéristique de l'errance du diagnostic au départ. Cet enfant qui passait pour une paresseuse, pas très intelligente, et qui, en fait, ce n'était pas du tout le cas. C'était une dyslexique. Et puis, toutes les difficultés qu'on a eues, la méfiance qu'on a rencontrée de la part de ses parents, au départ, parents qui sont devenus des amis après, parce qu'ils ont bien vu dès le premier examen que c'était quelque chose de sérieux et qu'on posait des questions que personne n'avait jamais posées et qui pourtant les tracassaient. C'est une histoire, c'est un livre à lire le soir, hein, tranquillement. Ce n'est pas un livre scientifique. Ça a été un peu dans l'esprit de Sensoridis, c'est-à-dire c'est quelque chose pour informer et aussi fait pour les professionnels qui ne connaissent pas et qui veulent rentrer dedans sans aller vraiment dans la technique. Œil et bouche, c'est plus un livre technique, en fait. Et donc, ben, finalement... C'est la vulgarisation, mais presque. Voilà, super. Et on le trouve sur Amazon. Voilà. Pour les professionnels, justement, qui souhaiteraient se former, on a parlé d'un DU, donc, que j'ai fait. Donc, le DU PATA à l'Université de Bourgogne, concrètement. C'est un DU qui est organisé par l'INSERM, donc à Dijon, et qui se fait sous la forme d'une session par trimestre, un jeudi, un vendredi et un samedi matin, avec plusieurs parties à l'intérieur. Il y a une partie assez fondamentale sur la neuropsychologie des troubles d'apprentissage, une partie sur tout ce qui est ce qu'on appelle la cognition motrice, les relations entre la cognition et la motricité, une partie, si vous voulez, sur vraiment la proprioception, et une partie sur le traitement. Et les professionnels apprennent le traitement. Voilà. Et ça dure pendant 2 ans. Et c'est un DU qui est très sympa parce que je pense qu'il est assez unique. Il recouvre déjà une pathologie, enfin un traitement qui n'est pas enseigné ailleurs. Et surtout, les participants sont tous d'horizons extrêmement divers. Donc c'est très marrant pour moi de voir comment ça se passe, la première session où les gens s'observent. Et puis, et comme ça a lieu en Bourgogne aussi, malheureusement le Covid gêne un peu, mais c'est un DU très bourguignon, voilà. Et donc très sympa, on a une liste d'attente et on privilégie, si vous voulez, les groupes. C'est-à-dire que si vous êtes professionnel, il faut, pour avoir une place, on essaye, si vous voulez, de prendre qui est un ophtalmo ou un orthoptiste, un podologue, enfin des groupes qui puissent travailler ensemble.
Voilà. Créer en fait une dynamique locale. C'est une très bonne idée parce que après c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc voilà, et puis c'est indispensable. Puis voilà, c'est des collègues qui deviennent des amis et qui voilà, et puis on parle tous de la même chose, donc c'est facile du coup de travailler. Puis effectivement, on vient chacun avec notre premier métier de base dans le domaine de la thérapie. Évidemment, on vient tous pour aider les enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Et donc chacun vient avec son observation et au final on parle le même langage. Donc je vous invite vraiment à faire ce DU, vous ne perdrez pas de temps, pas du tout. Sinon voilà, moi je donne aussi des informations, donc voilà, en Belgique, à ce sujet-là, c'est vraiment de la découverte, on va dire. C'est ça que j'ai connu Sigrid Gillet qui m'a fait maintenant le DU. L'idée c'est d'inciter les gens aussi à aller plus loin, sachant que pour ceux effectivement qui comme moi ont terminé ce DU, la mise à jour est indispensable et c'est pour ça que je signalais ces livres en fait qui sortent et voilà, à aller chercher de l'information. Eh bien, je vous remercie tous voilà, d'avoir joué le jeu, d'avoir envoyé ces questions. Je pense que c'était très intéressant. En tout cas, docteur Kersia, on a des merci. On a des gens qui sont un peu perturbés parce que voilà, ça remet en question des idées qu'on avait, un plan comme ça. Et puis finalement, c'est très bien. L'idée, c'est de réfléchir. La remise en question, c'est positif. L'idée, ce n'était pas de déstabiliser, mais plutôt voilà, d'ouvrir l'esprit et de se dire « et s'il y avait autre chose qui existait ?» Donc, c'était notre motivation première. Donc voilà, merci beaucoup. Docteur Kersia, voilà, Patrick Kersia, parce que moi je peux. Merci à vous, Charlotte. et merci Corinne pour cette chouette présentation. Donc voilà, on se retrouve bientôt sur les réseaux sociaux et voilà, je suis joignable évidemment par mail si vous avez la moindre question suite à tout ça. Et je vous souhaite une belle soirée à tout le monde et puis à bientôt pour d'autres aventures. Merci. Bonsoir. Au revoir.